Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, noble musulman. Et shalom, que la paix de Dieu soit avec vous pour les non-musulmans. En effet, nous sommes à un débat entre le groupe musulman, le groupe de prédication islamique Nourdin Djama et nos frères de l'Oko, M. Zamblé, M. Cyril, qui sont donc des chrétiens. C'est eux qui vont défendre la position du christianisme par rapport au thème proposé. Donc le thème est, est-ce que Jésus-Christ est-il le Dieu créateur? En deux thèmes, est-ce que c'est Jésus qui a créé les hommes, les arbres, les animaux et tout ce qui existe sur la terre comme dans les cieux? Donc le débat va tourner autour de la personne et la divinité de Jésus-Christ, Inch'Allah. Donc pour le chronogramme, nous aurons pour les introductions 10 minutes pour les chrétiens, 10 minutes pour les musulmans. Dans le développement, chacun des deux parties aura 15 minutes trois fois. C'est-à-dire 15 minutes pour les chrétiens, 15 minutes pour les musulmans. Après 15 minutes pour les chrétiens, 15 minutes pour les musulmans. Et enfin 15 minutes pour les chrétiens et 15 minutes pour les musulmans. Donc on termine par la conclusion qui sera de 5 minutes, 5 minutes. Et après cela, si le temps nous permet, nous allons prendre deux ou trois questions. Donc les frères Inch'Allah, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Approchez, prenez la place. Ne venez pas à 18h30 pour dire, malheureusement, j'ai manqué le débat. Soyez là, c'est maintenant. Donc, les places qui sont là, ce ne sont pas des places payantes. Ce sont des places assises gratuites sur le thème Jésus-Christ est-il le Dieu créateur? Donc, le débat porte sur la divinité de Jésus-Christ. Donc, installez-vous. Et un moment à l'autre, Inch'Allah, nous allons commencer. Et au sortir d'ici, comme le disons, ce débat a lieu depuis 2018 ans. Depuis 2018 ans, la divinité de Jésus-Christ est une question primordiale en matière de religion. Il y a eu des grands débats. Et ce débat va continuer. Et ce débat continuera après nous. Mais comme Jésus-Christ l'a lui-même enseigné, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, pour adorer Dieu, pour adorer le Créateur comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de l'enseigner, il dit vous ne pourrez adorer Dieu que si vous, Dieu même le dit à travers Mohammed que connaissez-moi avant de m'adorer. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prétendre adorer la divinité suprême si nous ne le connaissons pas. Mais le connaître en comment? Est-ce physiquement? Non. Mais connaître ses prérogatives. Connaître quoi? Ses prérogatives et ses attributs que lui-même s'est donné. Et à partir de ce moment, nous ne pourrons le comparer, ni le confondre, ni le confondre dans une nature quelconque. Donc, Inch'Allah, donc l'installation a été faite. Donc nous allons commencer Inch'Allah. Donc les frères. Donc d'un moment à l'autre, le temps de régler le temps. Donc règle le temps, Inch'Allah. Donc le chrono sera mieux. Le chrono vient le normal. Le chrono ça va vite aussi. Alors le chrono ça va très vite. L'heure normal c'est bon. Donc demande. Mais on est bon. Hein? On est trop bon. Pardon? On est bon. Le chrono est bon? D'accord, c'est bon. On sera bien de le Yann. Ok. Yann, faut mettre ton code. Christian, mets ton code. Ton code, faut mettre. Oui, oui. Oh putain, il est
Ok, approchez, approchez, Inch'Allah, le débat. Qui de Jésus et de Mohamed? La divinité de Jésus, excusez-moi. Je sens qu'il y a un débat, c'est ça. Je me crois pas, Bobo. Donc, est-ce que Jésus-Christ est-il le Créateur? Donc, approchez, prenez place, c'est gratuit. Les frères chrétiens sont là pour défendre la position du christianisme et les frères musulmans sont là. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? C'est le thème du débat, c'est le sujet du débat. Donc, à la place, papa. Oui, les chrétiens sont là pour défendre la position. Venez prendre place. Non, ils sont là. Le frère Nassis est là. Un spécialiste en la matière. Inch'Allah, va nous aider. Donc, venez prendre place, mon frère. Mon frère, il y a pas ce qui est fini. Vas-y. Donc, la place. Continuez donc d'occuper la place. Le temps de régler le temps. Nous allons commencer, Inch'Allah. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Les frères chrétiens sont là pour défendre la position que Jésus-Christ est Dieu, pour confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Et les frères musulmans sont là pour dire quoi? Pour nier, pour aussi dire avec des arguments que Jésus-Christ n'est pas Dieu, selon les Écritures. Nous n'allons pas parler avec l'esprit, mais avec l'intelligence. La Bible est là, le Coran est là. Inch'Allah. Donc, d'un moment à l'autre, nous allons commencer. Ok. Donc, voilà le chrono. Christian. Ok, donc les frères chrétiens vont commencer avec l'introduction du thème. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Donc on leur passe la parole tout à l'heure. Oui, viens prendre place mon frère. Ils sont là, ils vont défendre la position. Ok. Donc, c'est parti. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, frères et sœurs, parents d'ici, parents d'ailleurs, africains, panafricains, européens, qui que vous soyez. Voilà encore une fois l'occasion qui vous est donnée de prendre part au grand rassemblement des fils de la parole. C'est un événement qui marque en un mot une bonne initiative dans notre vie. Et à tous ceux qui sont les plus considérés et à qui ceux par la divinité a permis qu'ils puissent voir ou bien prendre part à ce rassemblement, je crois que vous devez saisir l'occasion pour marquer un temps soit peu une pause dans ce que vous êtes en train de faire pour accorder au moins la prééminence à Dieu et ce respect-là de l'écouter et de prendre part aussi à sa parole. Je voulais simplement rebondir sur l'introduction du frère en question. Je suis le frère Zamblé Joël, accompagné avec moi le frère Cyril. Le frère Cyril en question. Nous sommes là en question pour échanger. Échanger sur un sujet de fond. Un sujet qui, depuis l'histoire de l'humanité, a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de salive et beaucoup de contradictions autour de la personne de Jésus-Christ. De là est né beaucoup de doctrines. De là est né beaucoup de points déviationnistes et gauchistes. De là est né beaucoup de confusion. Alors, comme il s'agit de la foi, étant donné que c'est un problème crucial et c'est un problème catalyseur dans la vie de tout homme humain, alors un débat s'impose. Pour montrer à tous ceux qui sont les prétendants être de la vérité, d'exposer en long et large dans le fond comme dans la forme, ce qui résulte de leur croyance. Alors, notre présence ici répond à cet appel-là, à cet ardent désir, cet empressement de venir échanger avec vous, avec nos frères les musulmans, et avec vous en partie et en général. Voilà un peu notre présence ici, le but de notre présence ici. Et comme le frère a dit, Jésus-Christ est-il le Dieu tout-puissant ou devons-nous en attendre un autre? Ou encore, est-ce que tout
toutes les prophéties depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'accomplissement du Nouveau Testament, ces prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie conformément à l'attente ou à l'aspiration du peuple d'Israël, est-ce que ce Messie-là est venu? Au regard de toutes ces questions et la multitude de ces réponses qui ne sont pas encore résolues pour certains et pour d'autres qui disent comme nous le soutenons aujourd'hui qui a été résolu, alors nous vous invitons massivement à prêter oreille et à être patient parce que c'est le champ spirituel. Les temps sont courts. Le monde est en train de courir à sa perte. Et tout le monde, de façon unanime, nous constatons cela avec regret. Car il n'y a que seul en Christ que nous pouvons espérer avoir la vie éternelle. Celui qui veut bâtir sa foi, si un autre homme en dehors de Christ, il est perdu. Il est perdu, éclairement. Alors, c'est un appel. C'est un vivant appel que je vous lance à tous et à toutes de prendre part à cet échange dans un bon esprit, dans un esprit de communion et d'un esprit de partage. Ce que moi je crois être la vérité, ce que la Bible détient et ce que la Bible reconnaît être la vérité, je vais essayer de partager ça selon la dimension qui m'a été donnée par Dieu avec vous. Alors, ce n'est pas de l'amusement. Ça n'a rien à voir avec les histoires de Mariam jouant la balle. Je crois très bien que l'argent n'est pas de votre Dieu. L'argent n'est pas au centre de l'intérêt de l'humanité. Mais à ceux qui sont voilés, ils mettent tout le temps à l'argent. Mais aussi à ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu, à un moment donné de leur existence, ils se posent la question. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais réellement la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en accord avec la parole de Dieu? Voilà les bons points d'interrogation auxquels un enfant de Dieu doit se poser. Alors à ce niveau, je vous invite massivement, comme je le disais tantôt, de prendre part à ce vivant appel. Alors, nous allons échanger de fond en comble. Nous allons voler de la Bible, également de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous allons également voler au niveau de le Coran. Voilà aussi un livre qui parle de la parole de Dieu. Alors tous ici, nous sommes épris, nous sommes animés d'un même esprit. L'esprit de savoir que des deux retient la vérité de Dieu. C'est à ce niveau que nous avons siégé pour échanger entre nous. Alors je vous invite, voilà un peu le moment d'introduction. Comme vous pouvez le dire dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ce qu'il y a à dire, s'il y a une autre personne en qui l'on devait croire, ou même nous devons croire pour être existé, cette personne est un usurpateur, c'est un menteur, c'est un voleur de titres, et c'est un gauchiste, et c'est un menteur également. Alors, voilà le verset catalyseur, le verset de Jean 3,16 qui a bouleversé toutes les croyances du monde. Et également dans le peuple d'Israël, le peuple qui était en partie, comme c'est divisé par des croyances. Dès l'avènement du christianisme, il y avait plusieurs forces d'opposition. Il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait les hérodiens et j'avais les doctrines contradictoires à celui que Christ a envoyé. C'est pourquoi il y a eu la guerre. C'est pourquoi Christ a été crucifié. Sinon, en réalité, pour quelles raisons les pharisiens ont crucifié le Christ? En réalité, celui qui est venu par les miracles, qui a apporté les guérisons, qui donnait la recouvrement de la vue, à lui là celui qui manifestait toutes ces choses, qui apportait la paix, le pain à ceux qui étaient affamés, à ceux qui étaient boiteux, qui marchaient. Est-ce que, posez-vous la question, pourquoi l'ont-ils crucifié? C'est parce que tout simplement sa doctrine était totalement contraire, n'avait rien à voir avec tous ces religieux. Et je souligne le passage à tous ceux qui définissent à tort le christianisme comme étant une religion. Vous vous trompez lutement. Le christianisme n'a rien à voir avec la religion. La religion ne vient pas du christianisme, s'il vous plaît. Le christianisme, c'est la pensée de Dieu. C'est la doctrine de Dieu révélée à la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous ne sommes pas issus d'une quelconque religion pour parler selon la religion. La religion, c'est les humains. Alors, je vais conclure, je vais chuter rapidement pour donner la place, le micro à mon frère. Pour vous inviter massivement à prendre part à ce change culturel. C'est ce changement qui va déterminer un peu votre existence. C'est très important. Alors, sur ce, j'attends à ce que vous répondrez à la paix selon que celui a été prédestiné par l'Esprit de Dieu à prendre part au séjour. Qu'il en soit ainsi. Shalom. Amen. Ok. Merci les frères. Il dit la fini. Donc, sans plus tarder, nous passons le micro à nos frères de l'Obois, c'est-à-dire les musulmans de Nourine Djamma. Pour l'introduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن والله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Nous remercions Allah, le maître de l'univers, le maître incontesté et incontestable. Allah qui a l'autorité suprême au-dessus de toute autorité. Allah qui a le pouvoir et qui le donne à qui il veut, comme il a donné à ses prophètes, à ses messagers et à l'ensemble de ceux qui ont voulu suivre sa voie. Nous implorons sa bénédiction, sa grâce, sa miséricorde, sur l'ensemble des messagers qui ont été envoyés sur cette terre pour éclairer les êtres humains et de les faire sortir des ténèbres à la lumière parfaite. Cela peut être une première. Les gens sont un peu surpris, ils sont un peu stupéfaits. Mais depuis quand on voit ces gens de scène, ça peut être une première à jamais où les musulmans et les chrétiens rentrent dans un échange religieux. Oui, chers parents, ça peut vous surprendre. Mais cela est important de faire ces échanges. Parce que quoi? Être dépoussé à nos cœurs des préjugés et du fanatisme sectaire. Être dépoussé à nos cœurs de l'hypocrisie. Ces genres d'échanges nous permettent de connaître vis-à-vis réellement la position de l'un et l'autre. Lorsque nous le faisons. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec nos bien-aimés ici, que j'aimerais citer le nom, le frère Zamblé ainsi que le frère Cyril. Dans un cadre bien précis et dans un thème bien précis, celui de savoir Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, est-il Dieu? Est-il le créateur des cieux et de la terre? Parce que si le musulman ne croit pas que Jésus-Christ est le Dieu créateur et qu'il meurt, ça c'est évident. C'est évident que si Jésus est réellement Dieu, et que les musulmans ne croient pas en cela, c'est évident que s'il meurt, il ira tout droit en enfer. Ça, il n'y a pas de débat. De la même façon, le chrétien qui pense que Jésus-Christ est réellement Dieu et qu'il a sa foi en lui, qui met sa foi sur lui en tant que le Dieu créateur, alors qu'au fond, il n'est pas le Dieu créateur, c'est évident que s'il meurt en pensant que Jésus est le Dieu créateur, c'est évident que s'il meurt, il ira tout droit en enfer. Donc c'est ainsi que le musulman, il attrape un côté pour dire non, Jésus-Christ est un messager. Un puissant messager envoyé par Dieu. Nos parents chrétiens attrapent aussi l'autre côté pour dire non, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu créateur. Donc actuellement nous sommes là, on ne comprend pas. Donc qui pourra départager le musulman et le chrétien? C'est ça, j'ai dit la fois dernière ici. On attend d'accuser un certain Olivier. On dit Olivier a 10 maisons. Olivier a 10 maisons. Olivier a 10 maisons. Nous deux, on attend de discuter dessus. On ne s'entend pas. Qui pourra venir nous départager? C'est bel et bien Olivier. Lorsqu'Olivier viendra devant nous, il dira peut-être à nous deux, les gars, je n'ai pas de maison, vous avez menti. Pour dire que quoi? Le chrétien ne sera pas mieux placé que Jésus pour dire qui il est réellement. Le musulman ne sera pas mieux placé que Jésus pour dire qui il est réellement. C'est ainsi que Jésus nous a dit une parole très sage dans la Bible judéo-chrétienne. Dans Jean chapitre 14, verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Il dit quoi? Si un chrétien ne l'aime pas, si un musulman ne l'aime pas, il ne va pas garder les paroles quoi, qui sortent de sa bouche. Car les paroles qui peuvent sortir sont la vérité. C'est ainsi que Jésus nous dit encore dans Jean chapitre 14, le verset 15, en nous disant, si vous êtes mes disciples, vous garderez mes paroles. Donc vous voyez ça? Si nos parents chrétiens sont vraiment les disciples de Jésus, ils garderont les paroles de Jésus. Où il a dit peut-être soit il est Dieu, ou bien soit c'est lui qui a fait ceci. Les musulmans aussi, s'ils se considèrent comme les disciples de Jésus, ils doivent garder la parole où Jésus a parlé. Donc le thème est bien précis, celui de savoir, Jésus-Christ est-il Dieu? S'il n'est pas Dieu,
il faudrait qu'on soit peut-être animé du bon sens et prendre un bon chemin vers celui qui nous a créé pour mériter le paradis. Parce que nous sommes sur cette terre ici. Quelles que soient les œuvres que nous aurons faites, construire les hôpitaux, aider les orphelins, faire ceci, faire cela. Mais ce droit que nous faisons, il est vis-à-vis des êtres humains. Le plus grand droit que nous avons sur cette terre, en tant qu'êtres humains, c'est de reconnaître Dieu seul, sans l'associer à quiconque dans son adoration, dans sa divinité, dans sa seigneurie, et dans tout ce qu'il ne veut pas. C'est le plus grand droit que l'homme a droit à faire sur cette terre. Adorer Dieu sans l'associer à quiconque. Dès que vous avez violé ce commandement, même si vous aidez les orphelins, même si vous nourrissez les pauvres, même si vous payez l'hôpital pour tout le monde, Dieu dit, ça c'est le droit que vous avez donné aux humains. Mais moi, Dieu, vous ne m'avez pas donné mon droit, donc l'enfer vous attend. Donc aujourd'hui, nous aurons la Bible, le Coran, pour trancher cette histoire de Jésus-Christ est Dieu, on passe par ci, par là. Le Coran va parler, Jésus aussi va parler à travers les passages que nous retrouvons dans la Bible du non-chrétien. Et nous verrons qui du musulman, qui du chrétien a tort ou a raison. Parce qu'il ne s'agit pas de venir faire ça comme un slogan. À lancer ça comme un slogan, il faut vérifier les écritures. Donc nous résumons Allah, nous aimerons bien écouter nos parents chrétiens ici présents. Et nous espérons, sans vouloir manifester un esprit d'orgueil, nous espérons qu'ils représentent dignement nos parents chrétiens pour défendre cette doctrine et cette cause. Parce que nous les musulmans, comme le Coran nous le dit, lorsque la vérité de l'islam est arrivée, ce qui n'est pas vrai prendra la fuite. Et s'il y a une vérité qui sera ici, elle sera la vérité sortie de la bouche de Jésus. Et s'il y a un mensonge ici, elle sera un mensonge sorti soit de la bouche du musulman ou du chrétien. Pour dire que lorsque Jésus parlera, le débat prendra fin. Donc, chers parents, l'occasion est donnée à tous ceux qui sont dans le doute, dans l'incertitude. Matin, midi, soir, on vous dit Jésus est Dieu. Matin, midi, soir, on vous dit Jésus n'est pas Dieu. L'occasion vous est donnée de vous asseoir, de prendre place et on va vérifier les écritures ensemble. Les versets qui donnent droit à dire que Jésus est Dieu, on va les analyser. Et les versets aussi qui donnent droit à dire qu'il n'est pas Dieu, on va les analyser. Donc il ne s'agit pas de manifester notre fanatisme religieux, mais il s'agit simplement de vérifier les écritures. Et sur ce, salam alaikum. Ok, nous remercions les deux parties. Donc on a fini avec la phase d'introduction. Nous rentrons maintenant proprement dans le sujet. Donc les frères chrétiens auront 15 minutes pour la première partie du développement. À vous, mon frère. Merci. Encore une fois, que la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet qui nous rassemble ici, en ce qui concerne la divinité du Seigneur Jésus-Christ, pour mieux appréhender ce sujet, je crois très bien qu'il faut retourner depuis la Genèse. Parce que Jésus en question est un accomplissement d'une prophétie, d'une multitude de prophéties. Alors, nous n'allons pas bondir sur ce sujet immédiatement. Nous allons retourner un peu en arrière. Comme je pouvais le dire ainsi, dans le livre de Genèse 1, 9 à 10. Genèse 1, 9 à 10. Vas-y. Genèse 1. C'est un peu difficile. Genèse 1. Vas-y. 9 à 10. Oui. Dieu dit. Que les cieux qui sont en dessous du ciel. Se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela la mer des eaux mer. Mais point. Nous voyons ici dans l'entame de la création du monde. Nous voyons Dieu en œuvre. Nous voyons la divinité dans sa totalité en train d'amener à l'existence beaucoup de choses. Et à ce niveau, nous voyons Dieu qui est en train de séparer la mer et de faire ressortir la terre. Mais c'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu
qui a créé la mer, nous ne le connaissons pas. Nous ne le voyons pas. Nous ne l'avons jamais vu. Alors, nous voyons plutôt un autre homme qui s'appelle le nom de Moïse. À ce niveau, le peuple d'Israël, il fut un temps où ils étaient réduits en esclavage en Égypte. Étant réduits en esclavage, nous voyons ce même Dieu-là qui, après s'être révélé à Abraham et à la multitude de ses serviteurs, il fait des promesses et il fait des prophéties. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi, mais il fera un moment où ton peuple qui découlera de toi sera réduit à l'esclavage en Israël et en Égypte plutôt. Et Dieu descend, il voit Moïse. Il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance que Pharaon et son peuple... J'ai vu la souffrance que Pharaon et son peuple font sur mon peuple Israël. Alors je vais te susciter pour que tu ailles les libérer. Amen. Mais il y a une chose qui retient notre attention. Lors du passage du peuple Israël, lorsque le peuple Israël était poursuivi par Pharaon et toute son armée, nous avons vu qu'ils étaient confrontés à la mer. N'est-ce pas? Ils étaient confrontés à la mer. La mer était un obstacle à leur avancement. La mer constituait un blocage. Amen. Mais nous voyons également ce même Dieu qui dit à Moïse, étends ta main afin que la mer puisse se diviser. Mais qui est ce Dieu qui peut ordonner à la mer de se diviser si ce n'est pas lui qui l'a créé? On est d'accord? C'est Dieu qui a dit à Moïse, étends ta main. Et la mer obéit à la volonté de ce Dieu-là, de ce personnel-là. Qui peut le faire ainsi si ce n'est pas lui qui est le créateur en question? Et nous voyons que même dans Genèse, dans Deutéronome 18:15, qu'on va lire également, Deutéronome 18:15, tu as la page ici, s'il te plaît. Vas-y. Écoutons Moïse lui-même. Attention. La Bible fait mention de Moïse 920 fois dans la Bible. Le Coran fait mention de Moïse 136 fois. Moïse n'est pas un petit personnage. Moïse là, ce n'est pas un petit personnage. Quand Moïse parle là, ça veut dire beaucoup de choses. Et Moïse et Jésus sont des parallélistes. Ils sont des jumeaux. Si vous ne savez pas, ça y est, une forme. De par sa naissance, de par son histoire, ils sont des jumeaux. Moïse était le reflet de Dieu. Moïse était l'image de Dieu. Écoutons Moïse selon la prophétie de Deutéronome 18:15. Vas-y. Deutéronome 18:15. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera. Attention. Genèse 1. Dieu créa. L'Éternel créa. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez? Donc Moïse parle ici de la divinité, de celui qui est le créateur. Et il parle ici, Moïse n'est pas un arabe, s'il vous plaît. Moïse là, il n'est pas arabe. Exode 1. Moïse là, c'est un Israélien. Il est hébreu, descendant d'Abraham. Pas Isaac. Vous comprenez? Parce qu'Abraham a eu deux descendances. La descendance d'Abraham par Ismaël et la descendance d'Abraham par Isaac. Et Moïse est la descendance d'Abraham par Isaac. Et Moïse parle à son peuple hébreu, pas les arabes. Dieu n'a jamais visité, mais Dieu n'a jamais envoyé un arabe ou même un étranger au peuple Israël. Jamais. Continue. Deutéronome 18:15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera. Il parlait ici au peuple d'Israël, à la sortie ou bien à la traversée du désert. Continue. L'Éternel, ton Dieu te suscitera. Pas le Dieu des Arabes. Du milieu de toi. Le Dieu des Hébreux. Vas-y. D'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moi, ici, fait son légal. Ce prophète, il faut qu'il soit moi. Mais nous avons vu dans la loi. Dans la nomenclature des prophètes. Abraham est venu avec un message de la circoncision. Moïse est venu avec la loi. Moïse n'est pas un petit prophète. Moïse est un prophète messager. Alors celui qui doit venir là, il va venir avec un message. Pas la loi. Il faut que son message soit totalement différent de la loi. Parce que si moi un prophète vient encore avec la loi, c'est que ce n'est pas le prophète dont Moïse parlait. Parce que tous les prophètes depuis Moïse jusqu'à Jésus et tous sont parlés de la loi de Moïse. Allez vérifier les écritures. Il parlait de la loi de Moïse. Mais ce personnage dont je lui parle, Moïse parlait ici là. Il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Un prophète messager comme moi. Continue. Il répondra ainsi à la demande. Vas-y. Au verset 16. Oui. Il répondra. Oui. Ainsi à la demande que tu
Vas-y. Que tu fies à l'Éternel. Que tu fies à l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. À Horeb. À Horeb. Le jour de l'assemblée. Vas-y. Quand tu disais. Allons plus vite. Que je ne t'entende plus. Que je n'entende plus la voix de l'Éternel. Oui. Mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu. C'est ça. Afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit. Ouais. Ce qu'ils ont dit est bien. C'est ce qu'ils ont fait au bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète, oui. Vas-y. Un prophète comme. Moi je vais répéter. Vas-y. Un prophète comme toi. Attention. Ici la prophétie de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui parle. C'est Dieu lui-même parle à Moïse. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Continue. Et tu les diras. Tout ce que je lui commanderai. Mais nous voyons rapidement dans le livre de Jean. Vas-y, dans le livre de Jean. Jean 1, 15. Rapidement. Il me reste 3 minutes, je vais chuter rapidement, s'il te plaît. Jean 1, 15. Oui. Vas-y. Ouais, Jean 1. Jean 1, 15. Jean 1, 15. Jean. Oui. Lui a rendu témoignage. Jean a rendu ce témoignage. C'est le témoignage de Jean là. Il est coranique. Il est coranique. Quand tu parles à Surat 10, Ayat 90, et ce qu'ils appellent Aya là-bas là. Et Yaya là, c'est Jean. Et Jean a rendu ce témoignage là. Continue frère, rapidement. Jean lui répondit. Et s'écria. C'est celui dont j'ai dit. Attention, c'est celui dont j'ai dit là. Celui qui vient après moi. Ah, normalement, par la naissance, j'ai un être 6 mois après Jésus-Christ. Après Jésus. L'ange est paru à Marie d'Elisabeth 6 mois après que Jésus ne vienne. Vous comprenez? Donc littéralement, Jean doit être âgé plus que Jésus. On est d'accord? Écoutez le témoignage de Jean. Vas-y. Celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. M'a précédé. Ok. On vient me rappeler que j'ai 7 minutes. Merci mon frère. Vas-y, on n'est pas pressé. Celui qui vient après moi. M'a précédé. Il était avant moi. Attention. Mais qui est venu après Jean? Est-ce que c'est Mahomet? Qui est venu après Jean? Nous avons vu que c'est Jésus-Christ qui est venu après Jean. Il dit celui qui est venu après moi là, celui qui vient après moi là. Continue, on reprend. Jean lui a rendu ce témoignage. Et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi. M'a précédé. Car il était avant moi. La question que je pose là, qui il est pour être avant Jean? Pourtant il est né après Jean. Qui il est pour être avant Jean? Avant Jean. Pourtant normalement on le voit, il est né 6 mois après que Jean soit venu au monde. Vous voyez? Qui est ce personnage là? Or, allons-y directement dans Moïse. Au verset 17. Vas-y. Non. Jean, au verset 17. Vas-y. Vas-y. Car la loi, là, elle est venue par Moïse. C'est quand ils ont dit, comme ils disent la parole de Dieu, la Torah là. Elle est venue par Moïse. Personne ne peut le nier là. Exode 34. Moïse a fait 40 jours et 40 du sang pour sans manger sur la montagne de Sinaï. Ce n'est pas Mahomet. C'est Moïse qui a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger de l'eau, sans manger et sans boire de l'eau. 40 jours sur la montagne de Sinaï. Et Dieu s'est révélé à lui 7 jours après. Le 7e jour, Dieu s'est révélé à Moïse. Et lui parla. Fais ça. Voilà ça. Voilà ma parole. C'est là où Moïse, Dieu a révélé la Torah à Moïse. Ce n'est pas à Mahomet. S'il vous plaît. Ce n'est pas à Mahomet. Alors, la loi, elle est venue par Moïse. Ce n'est pas par Mahomet. Continue. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. Attention. Donc, comme je vous le disais tantôt, celui qui doit venir, il doit être un prophète messager. Alors, il doit dire des choses qui n'ont rien à voir à la loi. Parce qu'il doit mettre fin à la loi. Il n'est pas venu pour parler de ce que Moïse a déjà dit. Non, en tant qu'il n'est pas un prophète messager. N'est-ce pas? Parce que Moïse a dit, Dieu, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. Alors, comme Moïse est prophète messager, celui qui doit venir aussi doit être prophète messager. Et nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Moïse, qui n'est pas un petit prophète. Alors, Moïse vient, Moïse fait la prophétie, et en voyant, on dit, la loi est venue par Moïse. Et la grâce est la vérité. Que celui qui vécut des têtes d'antique, qui disent, est-ce qu'il peut me montrer un seul verset dans la loi, où on n'a pas de la grâce et la vérité? Il n'y en a pas.
C'est un nouveau message. Ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. C'est ici pour mettre fin à la loi. Quand vous dites tout ce qui résout la loi est dépassé, il faut passer à autre chose. Continue. En parlant de la vérité, à quel moment la vérité vient? C'est parce qu'on t'a sali, on a menti sur toi. Que la vérité vient, il faut quelque chose de faux. Après, la vérité vient pour confirmer, pour effacer tout ce mensonge-là. On est d'accord? Mais si la vérité vient avant le mensonge, c'est ridicule. La vérité vient après que le mensonge se manifeste. En disant, la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continue. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité là. En d'autres termes, celui qui fait recours à la loi de Moïse là, il est encore dans l'Ancien Testament, il est perdu. Il faut se confirmer à Jésus-Christ. C'est la vérité qui est là. Amen. Car lui-même, il est la vérité. C'est pourquoi. Quoi pour le dire? Jean 5, verset 46. Jean 5, 46. Vas-y rapidement. Ne pensez pas. Oh frère, ne pensez pas que. Moi. Oui. Je vous accuse. Ne pensez pas que c'est Jésus qui vous accuse. Il disait cela aux pharisiens, aux sadducéens, à ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont persécuté là. Il disait cela. Il dit vous là. Vous accrochez à Moïse. C'est ça non? Moïse, c'est ça que votre prophète. C'est ce que Moïse a dit dans la Torah là. C'est ça que. C'est ça vous accrochez. Continuez écoutant Jésus. Ne pensez pas que moi. Ne pensez pas que moi je suis là, je vais vous accuser devant le Père. Celui qui vous accuse là, c'est Moïse qui vous accuse. En qui vous avez mis votre espérance? En qui vous avez mis votre espérance? En qui nos frères continuent d'adorer, de voir le culte? Continue. Car si vous croyez Moïse, si vous croyez Moïse là, vous me croyez aussi. Vous allez me croire également. Parce qu'il a écrit. Qui parle ici? C'est Jésus, hein? Car si vous croyez à Moïse là, vous me croirez aussi. Parce que Jésus, parce que Moïse a écrit de moi. La question que je pose là. Jésus était où puis Moïse écrivait. Parce que si on veut comprendre littéralement, on veut ramener les choses de Dieu à notre conscience, nous les humains nous sommes perdus. Jésus parle ici. Il dit, si vous croyez à Moïse, si vous croyez à la Torah, si vous croyez à ce que l'Ancien Testament dit, en ce qui concerne les sacrifices des animaux, ceci, cela, toutes ces choses déviationnistes, si vous croyez à ça, vous devez me croire également. Parce que Moïse, là, quand il écrivait ces choses que vous donnez là, c'est moi qui lui ai dit d'écrit. Et nous voyons l'accomplissement de cela. Hein? Nous voyons cela. Hein? Luc 1, 45. Pour terminer rapidement. Luc 1, 45. Oui. Luc 1, 45. Oui. Luc 1. Vas-y rapidement. Oui. Vas-y. Oui, 1, 45. Non, non. Prends déjà 1, 45. Bon, je vais chuter là. Je n'ai pas donné tous mes missiles là-bas. Bref, merci. Ok, merci le frère. Ouais, nous, les diamants, ça va tout. Les 15 premières minutes. Pour le développement. Frère Zamblé. Il me semble que. Peut-être le thème, tu ne sais pas c'est quel thème on est venu traiter. Il me semble ça. Peut-être tu ne sais pas encore le thème qu'on est venu traiter. Parce que dans tout ton développement, franchement, excuse-moi de te dire ça, mais tu n'as rien dit d'abord. Le thème est de savoir, Jésus-Christ est-il Dieu? C'est, tu as fait un cheminement. Mais ton cheminement même que tu as fait là, c'est pour montrer qu'il a été envoyé. Mais s'il a été envoyé, le débat est clos, c'est fini, c'est même plus, on cherche quoi encore ici. Le fait même que tu allais utiliser Deutéronome 18, le verset 15, après Deutéronome 18, le verset 18, Moïse a dit quoi? Dieu va vous susciter quoi? Un prophète comme moi, comme Moïse, hein? Moïse était Dieu. Est-ce que Moïse était Dieu? Quand moi je viens croiser quelqu'un, je dis, ah, il sera comme moi, c'est-à-dire quoi? Même si c'est spirituellement, c'est-à-dire quoi? Il aura les traits que j'aurai. Donc quand tu as pris Deutéronome 18, le verset 15, en disant, il succédera un prophète comme moi,
Qui va susciter un prophète comme Moïse? C'est qui? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Hein? Et puis après encore, tu t'en vas même dire encore dans ton nom 18. Je maintiens mes paroles dans sa bouche. On peut mettre les paroles dans la bouche de Dieu? Sois sérieux, mon frère. Sois sérieux. Les gens sont là, là. On casse. Comme on dit dans le langage, respectons-nous un peu. On peut mettre les paroles dans la bouche de Dieu. Tout ton cheminement que tu as fait là, tu as clairement montré que Jésus a été envoyé. Donc il ne sait même pas où. Franchement, même à moi, mon frère Narcisse, il ne sait pas. Le débat va aboutir à quoi encore? Parce que tu as conclu déjà avant qu'on rentre dans le sujet. Donc si Jésus a été envoyé, le débat est clos. Qui qu'il est tué là, le débat est clos. Il n'y a même plus à discuter encore. Maintenant, venu dire non, que non, on est sous la loi, c'est ceci, c'est cela. Frère, c'est Jean qui a parlé ici, non? Disant non, que Jésus nous a envoyé la grâce, grâce sur grâce. Ok, il n'y a pas de problème. C'est avant Jésus, non? Mais maintenant, Jésus que tu suis, quand il est venu, il a dit que vous êtes sous la grâce. Si oui, ta Bible est là, tu nous donneras le verset. Mais ce n'est pas le thème, frère. Tu dis non, les gens, ils veulent suivre la loi de Moïse. Cela, est-ce que c'est là, ils ont donné la Torah au prophète Mohammed? Mais il a dit des choses comme ça. Depuis qu'un musulman peut prétendre que la Torah qu'ils ont, la Torah qui était remise à Moïse a été donnée au prophète Mohammed Sassam? Jamais, frère. Le thème, je reviens encore dans le thème, frère Zamblé. Le thème est de savoir, Jésus-Christ est-il Dieu? S'il est Dieu, frère, sois sage, ouvre ta Bible. Tu donnes les versets ici, vos versets que vous avez l'habitude de donner à vos fidèles dans vos églises. Tu les fais sortir ici. On les vérifie ensemble pour voir qui ment ou bien qui dit vrai. Sinon, ce que tu es en train de faire actuellement, tu vas mélanger le sujet. Et on ne va pas aboutir à quelque chose de concret. Si tu veux là, tu prépares un autre thème de savoir que c'est Jésus, c'est Jésus-Christ seul qui a été envoyé. Là, on va débattre ça. Aujourd'hui, le thème est de savoir, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Parce que c'est ce que vous, chrétiens, vous défendez. Donc, si tu n'es pas en mesure de montrer que Jésus-Christ est Dieu, nous, les musulmans, serons sages de vous aider à comprendre. Parce que le plus souvent, vous aimez vous aventurer dans les versets coraniques où Dieu dit que si le musulman, au Coran, chapitre 10, se croit bien le verset 98, si Mohammed, tu doutes, il faut demander aux gens qui ont reçu le livre avant toi, ils vont t'informer. Chers parents, tous ceux qui ont traduit ce verset, pour ceux qui ont appris l'arabe, ils savent que ce verset, ce n'est pas son sens réel. Le sens réel du verset, quand Dieu parle, il dit quoi? Mohammed, si tu veux vérifier que tu es un vrai messager de Dieu, tu veux comprendre réellement que ta mission est vraie, va demander à qui? Aux Juifs, parce qu'ils sont informés de ton histoire. Lorsque tu prends Deutéronome chapitre 4, le verset 32, tu as donné ce même enseignement là-bas en disant, si vous voulez savoir les choses, demandez aux anciens. Mais les anciens qui sont morts, j'allais demander comment. C'est une manière de te montrer que tu es confirmé dans les écritures. Bref, je reviens encore, frère Zamblé et frère Cyril. Le thème qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est de savoir Jésus-Christ est-il Dieu? Parce que pour les chrétiens, si tu ne reconnais pas Jésus comme Dieu, dès que tu meurs, tu iras tout droit en enfer. Donc déjà, nous les musulmans, on est déjà visés. Mais nous musulmans, nous disons, vous chrétiens, si vous reconnaissez Jésus comme Dieu, dès que vous mourrez, vous irez tout droit en enfer. Selon Jésus lui-même. Mais la Bible est là aujourd'hui. On va rentrer dans les Écritures pour savoir, avant que Jésus ne vienne, c'est Dieu qui a annoncé Jésus. Jésus est venu, il a parlé dans la Bible. Je reprends encore ce passage. Jean 14, le verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Jésus dit, si un chrétien ne l'aime pas là, s'il a parlé dans la Bible, il ne faut pas vous aller garder ça. Mais si un chrétien, vous prétendez l'aimer là, les paroles où il a parlé dans la Bible, là, donnez ça. Là, vous montrez que vous l'aimez. Jean 14, le verset 15, Jésus dit, si réellement vous les chrétiens, vous êtes mes disciples, vous garderez mes paroles, frère.
si réellement tu es le disciple de Dieu, tu vas garder ses paroles. Où Jésus-Christ a dit dans votre Bible ici. Toute cette Bible, c'est 66 livres. Où Jésus a dit qu'il est votre Dieu. On verra. Parce que ce qui m'étonne chez nos parents, non, Jésus ne pouvait pas dire qu'il est Dieu. Il ne pouvait pas dire qu'il est Dieu parce que. Mais ils oublient que dans l'Ancien Testament, le mot, la phrase je suis Dieu est remplie dans l'Ancien Testament. Alors que nous savons que dans l'Ancien Testament, les gens étaient 10 fois plus barbares que ceux du Nouveau Testament. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, il ouvre sa bouche pour dire aux hommes, je suis Dieu, adorez-moi. Votre Dieu du Nouveau Testament n'a pas ce courage, il a peur de ses créatures. Frère, on va se ressaisir. Un verset d'abord pour vous dire que Jésus n'est pas Dieu, puis je donne la place à mon frère. Luc chapitre 2, le verset 21. Personnellement, peut-être même c'est pour exposer peut-être mon expression. Les gens vont écouter. Moi je dis, le jour où quelqu'un pense que Jésus est Dieu, pas pour insulter, mais il doit revoir ce qui se passe dans sa tête. Comme ouvre-moi le passage. Luc chapitre 2, le verset 21. Tout simple, frère. Luc chapitre 2, le verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, Jésus étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Pasteur, et frère Cyril, et chose ensemble. On dit huitième jour, l'enfant Jésus, là, ils l'ont pris pour aller couper son sexe. C'est sexe qu'ils ont coupé. Toi, tu es né, tu sais qu'ils ont coupé ton sexe. Toi aussi, tu es né, tu sais qu'ils ont coupé ton sexe. Comment tu peux mettre dans ta tête qu'une personne, ils ont coupé son sexe, comme pour toi, comme pour moi, tu vas dire que c'est ton Dieu. Sois sérieux, frère. Comment tu peux mettre dans ta tête que toi, tu peux t'adorer un Dieu qui est juste? Ressaisissons, mon frère. Avant que nous rentrons dans le sujet, prenez-nous les versets dans votre Bible qui montrent que Jésus est Dieu. Je ne dis même pas où Jésus a dit « Je suis Dieu ». Vous n'allez jamais trouver. Mais nous voulons les versets que vous utilisez dans les églises. Matin, midi, soir. Quand vous utilisez dans les églises, comme déjà vos fidèles, ils sont déjà acquis à votre cause, ils sont prêts de se former. C'est lui qui m'a vu avec Dieu. Ils savaient qu'il est Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. On va vous aider à comprendre ces versets-là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas en mesure de donner le verset, on va clore le débat. Donc frère, ici là. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut que je me lève. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions encore l'assistant, encore une fois de plus. Comme le vrai Clapton le dit, pour ne pas perdre le temps. Il y a quelque chose qu'on appelle la vie, c'est comme on dit paradis. Chrétiens musulmans, chacun cherche matin, midi et soir. Vous savez, il est très difficile pour un homme musulman d'attendre la bouche des musulmans de dire que Jésus n'est pas Dieu. Pour eux, c'est injuste, soit un blasphème. Effectivement. Non, nous, on a voulu qu'on vienne nous corriger ce soir. Exact. Moi, je peux mentir, mais Jésus ne ment pas. Claire. Les frères aussi peuvent mentir sur Jésus, mais Jésus ne ment pas. Claire. Les gens sont là, les musulmans sont arrêtés, chrétiens sont ici, il n'y a rien qui ne sont pas ni musulmans ni chrétiens. Et ils sont de chercher la vérité. Les frères chrétiens, de grâce, pardonnez. Si nous on est égarés, on ne connaît pas Dieu, montrez-nous la voie à suivre. Si nous aussi on connaît la vérité, vous ignorez aussi, on va vous interpeller à suivre la vérité de Dieu à travers nous, pourquoi pas. Est-ce que Jésus est-il Dieu ou non? Jésus n'est ni Dieu et il ne sera jamais. Dans la Bible, ça là, peut-être c'est une vraie Bible écrite, mais pas dans ça. Pourquoi? Parce que eux, si peut-être les deux là n'ont même pas encore 70 ans, si on met les deux âges ensemble, ça ne vaut même pas 70 si, mais trop fort. Mais la Bible, ça fait des milliers d'années. Donc ça va m'étonner, aujourd'hui, vous me prouvez au moins que Jésus a dit il est Dieu, ou la Bible dit il est Dieu, ça n'existe pas. Le frère a dit ici qu'il parle de ton homme. Mais pour ceux qui font un peu les débats religieux là, il nous m'a dit Jésus, c'est un prophète. Donc il a dit, je suis au milieu de leurs frères. Ouais. Dieu n'est pas frère de quelqu'un. Dieu n'est pas frère de quelqu'un. Dieu est frère de qui? Ouais. Personne. Et je mettais les paroles de sa bouche. Il a dit si. Ouais. Donc lorsqu'on met la parole de la bouche de quelqu'un, c'est Dieu qui met la parole de la bouche de celui qui n'a pas la parole. Exact. Parce que Dieu même est déjà la parole. Par excellence. Donc vous voyez, dans ce qui a passé, donc les frères, les musulmans sont arrêtés ici comme les chrétiens. Aidez-nous.
Parce que nous on dit Jésus n'est pas Dieu. Mais si vous va dans le verset, nous on va vous prouver, moi sur plan. Tout celui qui adore Jésus, son enfer est clair. Et il rentre sans caution. Il rentre, il sort plus. La clé, je prends ça. Dans les parents, quand vous n'avez pas donné le verset, moi il y a un verset qui me fatigue un peu. Dans Jean chapitre 5. On garde notre calme. On se calme, on se calme, on se calme. On garde notre calme. Donc continuez, messieurs. On fait y va, on continue. On continue, on suit le suivant. Okay. On continue. Donc comme je disais tantôt, les gens sont arrêtés. Ils sont fatigués matin, midi et soir. Attendre la boule des musulmans, soit les musulmans, soit les musulmans. Et les chrétiens, si tout Jésus est Dieu. C'est une occasion pour montrer aux musulmans que nous sommes des menteurs. Ouais. Parce que nous, on a dit Jésus n'est pas Dieu. Et si tu crois que Jésus est le Dieu qui met, il va à l'enfer, selon Jésus. On a des preuves. Mais on attend d'abord que tu me donnes le verset où Jésus dit il est Dieu. Où sont la Bible dit Jésus qu'il est Dieu? Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que si Jésus est Dieu, ce n'est pas toi qui vas dire qu'il est Dieu. Où est mon frère là? On ne peut pas dire à Dieu que tu es Dieu. C'est Dieu qui dit à ses créatures, Jésus va trop Dieu. Mais comment ça veut dire qu'il est Dieu? Et en français, ça ne se dit pas. On ne doit pas dire qu'il est Dieu. Il doit vous dire Jésus, Dieu. Mais quand il dit qu'il est Dieu, tu le fais Dieu. Si Moïse est Dieu dans la Bible, il a désigné. Il a désigné. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu. Grand Dieu, gros dé pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Et on voit même dans la Bible où Moïse a pris la place de Dieu. Exode 4, verset 15 à 16. Donc si Moïse a pris la part de l'Éternel, est-ce que le Dieu créateur? Non, cela a un sens. Donc les frères chrétiens, pardonnez et aidez-nous. Si il n'y a pas de verset, nous on va donner le verset où Jésus dit n'est pas Dieu. Là comme ça, ceux qui ont cette pensée dans la tête, on va lever ça par la grâce de Dieu. Parce que juste quand vous allez quitter, même dans vos propres rêves, ce verset n'existe pas. Peut-être le verset dans votre tête, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Peut-être, c'est possible, mais pas dans la Bible, ni dans le Coran. Donc les frères chrétiens, aidez-nous. Et puis je vous préviens, ne donnez pas Esaïe 35, verset 1 à 5. Ne donnez pas Esaïe 9, verset 5. Donnez le verset clair où Jésus a dit, je suis créateur. Et moi, je vais vous montrer, moi, je suis plein. Où Jésus ne peut pas créer même grenouille. Où Jésus ne peut même pas créer même grenouille. Il a dit dans la Bible, mais toi, ne sais pas où c'est mon nom. Peut-être, mais tu fais semblant. Donc on est un thème bien fixé. Vous avez dit que Jésus est Dieu. Nous, on a dit, il n'est pas Dieu, il est homme. Le verset est là, mais on attend d'abord que vous donnez le compte. Dans le verset qui prouve qu'il est Dieu. Nous, on va vous montrer le verset où dit, non, j'ai été créé. Jésus a dit, il a été créé. Le verset est dans la Bible, on attend d'abord. On attend que les frères chrétiens nous prouvent que nous sommes des menteurs. Parce qu'Allah a dit, Jésus, c'est un prophète. Moïse aussi a dit de lui qu'il est prophète. Maintenant, c'est toi qui n'as pas été envoyé par Dieu. Toi, tu dis, il est Dieu. Ceux qui ont été choisis par Dieu, ils ont dit que tu es un envoyé de Dieu. Mais toi, tu es un disciple de ce prophète-là. Toi, tu viens dire non, il est Dieu. Donc, de grâce, les frères, on vous demande beaucoup pardon. Aidez un peu l'assistance. S'il n'y a pas le verset, dites aux gens, il n'y a pas le verset. Sinon, nous, on va prouver, moi, sur plan. Si tu adores Jésus, tu vas l'enfer. Ça, tu rends sans caution. Et tu rentres, tu ne sors plus. Donc, donnez-nous le verset où la Bible dit, je ne dis pas où Jésus a dit. Hein. Où ils ont dit de lui qu'il est Dieu. Nous sommes à la 40 secondes. Bon, il me semble que c'est déjà suffisant comme ça. Donc on attend peut-être les frères vont donner le verset. Parce que là, on ne peut pas dans tout ça, il faut laisser ça. Donc le verset où il est Dieu. On va se baptiser au Dieu, Inch'Allah. On remercie les frères musulmans. Nous sommes dans la deuxième série de 15 minutes. À vous frères. Merci. Je crois que si on veut rehausser le niveau du débat, il faut dire à vos frères de ne pas descendre la poussière. Parce que il faut, quand on vient débattre un sujet, il y a une origine. Et c'est de là que découle toute la substance qui nous permet de débattre. Donc on ne peut pas venir répondre sur le sujet pour dire Jésus est Dieu, voilà où Jésus est Dieu. Non seulement le débat n'a pas son sens. Quand on dit un débat ou un échange, c'est ce que toi tu crois être la vérité. Tu te montres ça, que Jésus n'est pas Dieu. Moi je suis été fait une démonstration pour te dire que Jésus est Dieu. Et je pars d'un point pour arriver. Je fais un rapprochement. Je crois bien que l'assistance me comprend très bien. Mais je crois que le problème se situe à votre niveau. Amen. Dans ton intervention, tu as dit que c'est l'Éternel qui a mis les paroles dans la bouche de Dieu. Ça veut dire que Jésus a été un envoyé, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien paraphrasé ou bien j'ai mal entendu? Avant de continuer. Non. Donc, tu as eu ton intervention. Je voulais savoir si j'ai mal interprété ou bien c'est ce que tu as dit.
J'ai posé la question. Est-ce qu'on peut mettre les paroles dans la bouche de Dieu? Est-ce que Dieu a dit de mettre les paroles dans la bouche de Dieu? Ok. C'est celui qui sera comme Moïse. Non. Moïse était en train de faire la prophétie. Quand un homme fait une prophétie, son moi n'est plus. Ce n'est plus lui qui parle. C'est une divinité par lui. Donc c'est l'Éternel qui parle par Moïse, qui dit, l'envoyé que je vais venir, qui va venir là. Moi je vais mettre mes paroles par sa bouche. N'est-ce pas? Matthieu 23. Prends Matthieu 23, s'il te plaît. Matthieu 23. Matthieu 23. Excusez-moi. Vas-y, Matthieu 23. Oui. Oui, Matthieu 23, 34. Vas-y, 34. Matthieu 23, 34. Donc, pour paraphraser un peu, l'Éternel qui a envoyé, l'Éternel sous l'inspiration de qui Moïse parlait, c'est lui qui a mis la bouche, il a mis les paroles dans la bouche de Jésus. Par ricochet, Jésus est un envoyé. On va écouter Jésus. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Donc, qui parlait par Moïse? C'est Jésus qui parlait. Il dit, c'est pourquoi. Je vous envoie des prophètes. L'autre côté, il dit là-bas, c'est l'Éternel qui a mis les paroles, qui met les paroles dans, Jésus, dans la bouche de Jésus, que Jésus qui a envoyé. Reprends la lecture. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Des sages. Et des scribes. Vous tuerez. Vous tuerez. Vous crucifiez les uns. Vous battrez de verges les autres. Vous battrez de verges les autres. Dans vos synagogues. Et vous les persécutez. De ville en ville. J'ai réité encore la question. Faut que tu vas prendre la parole, tu vas me répondre ça. Sérieusement. Qui il est pour envoyer les prophètes? Oh, dans ton intervention, tu as dit, c'est l'Éternel qui envoie Jésus et qui met ses paroles dans sa bouche. On lui dit ici que c'est moi, je vous envoie les prophètes. Vous voyez pas? Ça vous dit rien? Je continue. Prends le livre de... S'il te plaît. Son frère a dit, Dieu est la parole. Il dit, Dieu est la parole. Lorsque son frère a pris la parole, il a dit, Dieu est la parole, n'est-ce pas? Jean 1. Qui est la parole? Cette parole qui a amené à l'existence toutes choses là. Est-ce que ce n'est pas manifesté? Est-ce que ce n'est pas rendu charnel? Dieu est tout puissant. Mais qu'est-ce qui échappe à la conscience de Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas se rabaisser? Ils ont coupé Kiki de Jésus. Tu sais pas, tu connais pas les dimensions, les multidimensions de Dieu. Tu ne sais pas ça. Tu sais pas que Dieu peut se chosifier. Il peut se prendre, il peut prendre la position d'un vent. Il peut prendre la position de feu. Il peut prendre la position d'un caoutchouc. Tu sais pas ça? Tu limites Dieu à ton raisonnement. Continue. Vas-y. Jean 1. Est-ce que Dieu lui-même là, il peut pas, il a la parole. Il est le logos. Il est amené par la création. Et quand dit la création, c'est mêlé à l'existence toute chose qui n'existait pas auparavant, sans avoir utilisé quelque chose qui déjà existait. Mais là, la formation, il utilise ce qui existe d'abord, il prend ça pour former. Et comme il est le créateur, il parle et puis ça vient à l'existence, il est la parole. Est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas venu? Donc Jésus était menteur alors. Jésus était menteur parce qu'il dit qu'il est la parole. Continue. Jean 1. 1 à 11. Vie. Rapidement, frère. Au commencement était la parole. Et la parole là, elle était avec Dieu. Pause. Est-ce qu'on peut dissocier un homme de sa parole? C'est comme j'ai dit là, ça m'engage. Et si j'ai dit quelque chose, c'est mon être qui dit. Donc on ne peut pas dire un être différent de sa parole, tu apprends un homme et puis tu as enlevé sa parole. C'est insensé. C'est insensé. L'homme est égal à sa parole. Ce que tu dis là, c'est ça qui t'engage. C'est en faisant ça entre eux, on te juge. Continue. Et la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu là, en voici elle, elle s'est manifestée ou bien elle s'est chosifiée ou bien elle s'est pas rendue manifeste. Pour lui, Dieu est haut, Dieu dont Dieu est limité. Vas-y, tu es plus sage que le roi. Vas-y. Elle était au commencement avec Dieu. Vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Attention. Toutes choses ont été faites par elle. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce que vous pouvez imaginer et ce qui dépasse votre imaginaire qui existe là. Rien de ce qui a été fait, ou même ce qui subsiste, n'a été fait sans elle. Continue. En elle était la vie. En elle était la vie, va rapidement, frère. La vie était la lumière des hommes. Et cette fille-là, elle était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres. Attention, la lumière vit dans les ténèbres. Mais nous voyons dans Genèse 1, on a dit au commencement, Dieu créa. Et la lumière lui dans les ténèbres. N'est-ce pas? Enfin, dans Jean 12, 32,
envoie Jésus qui dit je suis la lumière du monde. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ce rapprochement? Or, les pharisiens avec qui Jésus discutait, ils avaient la connaissance de la loi. Ils connaissaient toutes ces choses-là. C'est pour les interpeller de remonter à l'ancien temps. Que celui qui était manifesté là-bas, là, c'est lui qui s'est manifesté, et celui qui parlait là-bas, là, c'est lui qui s'est manifesté aujourd'hui. C'est tout. Continue. Il a eu un homme où les gens sont venus. Continue. Son nom était Jean. Attention, à l'avènement des gens, les pharisiens sont venus dire, tu es le Christ? Il dit non, je ne suis pas le Christ. Je n'ai rien à voir lui. Seulement je suis venu conformément à Isaïe 40, verset 2. Pour préparer le chemin de celui qui va venir. C'est lui-là qui est le Christ. Donc, il a eu un Jean qui a eu son témoignage. On a lu son témoignage ici où il a dit que celui qui vient avant moi et après moi est plus grand que moi. Car il existait avant moi. Voilà le témoignage des gens. Continue. Pour un témoignage à la lumière. Pour un témoignage à la lumière. Afin que tout ce qui par la lumière, celui dont Jean parlait là, celui qui ne croit pas en lui là, celui qui ne croit pas, donc quand les frères, les gens se baptisaient là, ils se baptisaient dans le nom dans leur tension de pouvoir préparer leur cœur à accepter celui qui vient. Parce qu'il faut croire en celui qui vient là. Si tu ne crois pas en celui qui vient là, tu es perdu. Vas-y. Jean n'était pas la lumière. Il est venu pour manifester, pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Elle était quoi? Elle était quoi? La véritable lumière. Attention, regardez le langage ici. Regardez le langage de l'esprit. Jean était la véritable. La véritable lumière. Il y a eu des lumières. Moïse est une lumière. Esaïe est une lumière. Ce sont des prophètes. Mais il était la véritable. Continue. Qui? En venant dans le monde. Ah, cette parole là et cette lumière là. C'est une personne qui est en train de se dévoiler comme ça, hein, petit à petit. En venant dans le monde là. Elle éclaire tout homme. Continue. Elle était dans le monde. Et le monde a été... Attention. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Attention. Le monde ne l'a pas connu. On dit voici ta lumière, voici ton Dieu créateur. Tu dis non, tu es trop vilain. Toi tu es né ici. Peut ton kiki là, c'est toi qui dis tu es Dieu. Jésus. Toi tu es né ici, tu as joué là ça. Tu as couru ici là. Tu dis tu es Dieu. Tu es plus âgé qu'Abraham. Il dit avant qu'Abraham soit là. Moi je fus. C'est un temps de vous jouer. Il dit avant que votre père Abraham là. Ah, Abraham est venu avant Moïse. Avant Moïse, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce que je me trompe? Abraham est venu avant Moïse. Il dit avant qu'Abraham fût là. Moi je suis. Il a dépassé Moïse. Jouer. Continue, frère. Il faut te préparer dans ton courant, tu vas me montrer que Jésus, il n'est pas Dieu. Continue. Elle est venue qui? Je vous ai dit que Abraham c'est un hébreu. Abraham c'est un hébreu. Moïse c'est un hébreu. C'est un Israélien. Ce n'est pas un arabe. Alors, pour manifester, pour remonter à la recherche de la vérité, il faut retourner là-bas. Est-ce que dans la mythologie hébraïque, y a-t-il pas un personnage de Jésus qui a été manifesté et que le peuple n'a pas rejeté? C'est de lui qu'on parle ici. Continue. Elle est venue chez ses frères. Ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit que non, tu es un homme, on t'a enfanté ici. Tu es né, tu es un humain, tu es né, tu as pleuré, tu as bu, on t'a têté, tu as têté, ils t'ont circoncis. Alors toi, tu ne remplis pas les caractéristiques d'un Dieu véritable. Il faut quitter devant nous. Voilà le tel raisonnement dans lequel les pharisiens étaient. Et ce même esprit, comme les esprits ne m'aiment pas, c'est ça qui possède mon frère. Alors lui, il pense que Jésus, là, il est limité, Dieu est limité dans l'espace. Dieu peut prendre la chose d'une chose, tu vas marcher dessus. Est-ce que Moïse n'a pas dit à Moïse, frappe le rocher? Mais c'était qui était là? Alors il peut prendre la chose de quelque chose, tu vas marcher sur lui. C'est Dieu qui est là. Il a les dimensions que ça t'échappe à ta conscience. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Attention, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais là, je pose la question. Qui est venu chez les siens et qui a été rejeté? C'est pas la parole créatrice là. C'est pas la parole de Jean 1, Genèse 1 là. C'est pas la même parole qui s'est manifestée dans Jean 1 qui est en train de lire. C'est cette même parole là qui s'est rendue charnelle. Dieu est tout puissant, il a la parole, il peut prendre la position d'un homme. Il peut manger, il peut boire. C'est un homme, c'est un Dieu.
Mais un homme ne peut pas se faire Dieu. Dieu peut se faire homme. Dieu est là, il peut se faire homme pour habiter parmi nous. Mais un homme ne peut pas se faire Dieu. Mais comment on va savoir si c'est véritablement un homme ou un Dieu? Amen. Continue, frère. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Non, dit ça. Ni de la volonté de la chair, ceci, cela. Donc, nous voyons ici dans Jean, et au verset 1 à 11, que le Seigneur Jésus-Christ, qui était la parole au début, il s'est manifesté. Il a pris une forme humaine. Il s'est rendu charnel. On pouvait le toucher, il peut toucher la parole. Personne, mais il faut que cette parole se rende manifeste. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu manifeste. Or, depuis Esaïe, depuis Belle Durette, Dieu annonce sa venue. La problématique de l'Ancien Testament, c'est que son peuple, le peuple Israël, n'avait pas la connaissance visible ou même physique de son Dieu. Alors, il utilise les prophètes et il annonce sa venue. En même temps qu'il annonce sa venue, il donne les signes. Il dit, quand je vais venir là, voilà comment vous allez reconnaître que c'est moi. Quand je vais venir là, voilà comment je vais mourir. Quand je vais venir là, voilà au signe que vous allez reconnaître que c'est moi. Il a annoncé sa venue, pas sa venue, son parcours jusqu'à sa mort. Tout a été tracé dans la Bible. Alors, moi je voulais poser une question. Quel est cet homme-là qui est la parole et qui se rend charnel? C'est quel homme? Nous voyons très bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 13, au verset, Jean 13, 20, vas-y. Jean 13, 20. Jean 13, 20. Jean 13, 20. Vas-y. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit, celui que j'envoie, me reçoit. Celui qui me reçoit, mais quand Jésus a envoyé ses disciples-là, il dit allez prêcher, allez parler de la parole de Dieu. Il dit celui qui reçoit, celui que lui l'a envoyé là. Or les disciples viennent au nom de Jésus. Jésus là, c'est pas un personnage qu'on dit tiens. C'est pas un personnage qu'on dit tiens, prends-le. Non, les disciples viennent avec la parole. Parce qu'il est la parole. Il est le Dieu créateur. C'est pourquoi il est la parole. C'est pourquoi il faut le recevoir dans ton cœur. C'est tout. Genèse 1. Vas-y. Verset premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, voilà Dieu qui crée par la parole. Il est la parole. Alors, je t'ai montré un seul verset. Je crois même que c'est un ou deux. Il te fait voir que Jésus, là, qui est Dieu créateur, là, on a lu un Jean. Et on dit cette parole qui a clamé à laisser toutes choses là. Elle s'est rendue charnelle. Elle s'est personnifiée. Et elle habitait parmi ses frères. Et cette parole qui habitait parmi ses frères l'ont rejeté parce qu'il a été circoncis. Parce qu'il a été animé, il a têté. C'est en cela qu'ils se sont égarés. Je vais m'arrêter là. Ok, on remercie les frères. Donc, on mesure maintenant, Inch'Allah. La deuxième, c'est de 15 minutes. Ok, alhamdoulilah, Rabbi Alamin, rapidement, Inch'Allah. Nous remercions toujours Allah. Mes frères, si tu es passé Matthieu 23, verset 34, ouais. Où il est écrit, je vous enverrai les prophètes. Lui, dans la compréhension spirituelle, lui c'est Jésus. C'est des prophéties jumelles. Mais pour ton information, on trouve dans Luc chapitre 11, verset 49. Écoutez ce que Jésus a dit. Ok. Quel malheur pour vous. Quel malheur pour vous. Tu as compris, c'est de quoi on parle ici. Hein? Construisez des tombes pour les prophètes. Oui. Et ce sont vos ancêtres qui les ont tués. Bien sûr. De cette façon, vous montrerez que vous êtes d'accord avec ce que vos ancêtres ont fait. Et ils ont tué les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Nous lisons. Et vous construisez les tombes des prophètes. C'est pourquoi Dieu a dit avec sagesse. Ce qu'il a dit. Frère, dans ta version de Bible, Matthieu, là-bas on dit Jésus dit quoi? C'est pourquoi Jésus
Je vous enverrai. Envoie la prophète. Et en cette Bible, si tu veux avoir la vie, il faut utiliser cette Bible. Mais si Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Oui. C'est pourquoi? Dieu dit, oui. Passagesse, je vous envoie les prophètes, les saints, vous tuerez d'autres, vous lapiderez certains, et vous envoyez d'autres à la mort. Pourquoi? Donc on va s'arrêter là pour le moment, donc pour dire le frère, parce que tu as vu dans Matthieu 23. Matthieu là, c'est au sens, si je ne t'ai pas compris, c'est pas au sens propre du thème. Parce que Christ il dit ici, c'est pourquoi Dieu vous enverra, moi je vous envoie. Mais tu n'as pas compris. On sait que comprendre Jésus, c'est intelligent. Que Matthieu 15, verset 16. Vous êtes encore très intelligent. On ne comprend pas Dieu avec l'esprit, comme on est avec l'esprit, mais on comprend avec la nature, c'est-à-dire comme l'intelligence que l'Éternel a bien nous. Je reviens pour dire. Ouais. Il a dit Dieu est venu sur la terre pour mourir. Écoutez bien. La Bible dit tu es un menteur. Il dit, Dieu est venu. Qu'il a expliqué son chemin. Oui. Que Dieu est venu. Oui. Il est mort. Il est mort. Écoutez sa Bible. Habacuc chapitre 1, verset 11. Habacuc chapitre 1, le verset 11. Si Dieu meurt, c'est que toi vraiment tu es plus fort que Satan. Ok. Oui. Verset 11. On est où là? Verset 11. Prends, tu peux prendre le passage, frère, ça va t'aider. Dans sa version, il n'y a pas ça. Hein? Ok. Oui. Alors, quel est temps lointain? Quel est temps lointain, oui? N'es-tu pas Yahvé, mon N'es-tu Dieu? N'es-tu pas Yahvé? Oui. Mon Dieu. Mon Saint. Qui ne meurt jamais. Mon frère, toi, t'as dit qu'il est mort. Il est mort quand? On dit Dieu ne meurt pas ici. Qui ment? C'est toi ou bien c'est toi ou bien c'est Dieu? Faut te revoir. Faut te revoir, frère. Donc, il revient là pour dire. Comme toi. Tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. Il a dit Jésus est créateur. Prends Marc chapitre 10, verset 6. Marc chapitre 10, verset 6. Comme il ne veut pas coucher, il ne veut pas toucher les versets. Nous, on va rentrer dedans. Marc chapitre 10, verset 6. Nous, on a dit Jésus ne peut pas créer qu'à femme. Selon lui-même. Ok. Écoutez, lui dit Jésus est le créateur des cieux et là. Non, c'est Matthieu chapitre 19, le verset 4. Ok, Marc 10, alors. C'est la même chose. Là-bas, c'est le créateur même. Oui. Alors. Non, mais c'est la même Marc chose. Chapitre 10. Écoutez, Marc chapitre 10. Hein? Marc chapitre 10, verset 6. Écoutez cette parole. Oui, Jésus parle. Jésus dit. Mais au commencement de la création. Au commencement de la création. Le créateur. Faut dire Dieu. Dieu. Fit l'homme et la femme. Mon frère, lorsque tu es le créateur, est-ce que c'est comme ça que tu dois parler? Logiquement, Jésus doit dire. Au commencement de ma création, je fis d'abord l'homme et la femme. Mais dit au commencement la création de qui? De Dieu. Ouais. Entre vous et puis Jésus, qui connaît mieux Dieu? Moi, je ne sais pas. Entre vous et puis Jésus, qui connaît mieux Dieu? C'est pas Jésus. Parce que tout a dit dans Jean 8, verset 53. Si lui ne connaît pas Dieu, il serait un menteur. Comme vous. Mais lui, il connaît Dieu. Dieu l'envoie. Il dit non, il ment. Donc entre vous et Jésus, on doit suivre qui? Jésus ou vous? Autant toute personne qui marche sur Jésus, il est en train de manifester la volonté de Satan. S'il meurt dedans. On a donné un passage. Tu as dit Jésus est le créateur des cieux et la terre. Prends-moi Marc 19, verset. Marc 13, verset 19. Marc 13, verset 19. Prenez le verset. Allez-y demander à Jésus la créature. Il ne peut rien créer. C'est une créature. On va lui donner le verset là. Jésus-Christ a dit de sa bouche. Si tu donnes le verset où Jésus a dit ça, tu vas me baptiser sur le champ. Mais tu vas mourir dans la lettre, tu ne vas pas trouver le verset. Jésus parle encore. Marc 13, verset 19. Quand la détresse en ce jour sera, oui, tel qu'il n'y aura pas eu de semblable, oui, de semblable, depuis le commencement du monde, que Dieu a créé. Qui a créé? C'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu ou c'est Jésus? Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas, ne crée pas ma parole. Mais est-ce que lui aime Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Donc tu as été consacré par qui alors? Parce que dans votre vie, c'est dans Jean 8, 42, le père du maçon, c'est qui? Le diable. Donc ils sont enfants de qui? Ah, on va pas trop les frustrer, mais on les laisse comme ça. Ils n'ont pas été les gens. Nous, on a dit dans votre Bible, ça n'existe pas. Tu vas un père du maçon, tu ne vas pas trouver. Dimension, tu ne vas pas trouver. Ne blaguez plus les gens dans les églises. On a donné un passage. Est-ce que Dieu, il a dit que Dieu peut tout faire? Dieu peut devenir un être humain. Prends-moi Malachie 3, verset 6. Dieu va te corriger. Malachie 3, verset 6. Il a dit, Dieu peut tout faire. Moi, il n'a pas dit c'est faux. Donc si Dieu peut tout faire, il peut devenir aussi voleur. Question. Ça, Dieu peut devenir voleur aussi. Question. Fais attention à la parole de Dieu. Malachie 3, verset 16. Il est écrit ceci. L'éternel ne change pas. Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, ou soit dans Luc 24, verset 47, Dieu est esprit. Esprit qu'on ne voit pas et qu'on peut le frapper. La réponse est non. On ne peut pas voir Dieu ne change pas. Il est invisible. Jean 1, verset 18.
Personne n'a jamais vu des hommes de Jésus. Ils l'ont vu, ils l'ont donné coup de tête. On ne peut pas voir Dieu dans votre livre. Jésus a dit dans Jean 5:37, le Père Dieu qui m'a envoyé a rendu témoin de moi. Vous n'avez jamais vu sa face, moi, quoi t'as sa voix. Jésus a dit, on ne peut pas voir Dieu. Toi, dis, c'est lui-même qui est Dieu. Et toi, tu prends Jean, verset 14. Frère, pour ton information, tu n'as rien compris dans Jean 1:1. On trouve dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 3. Ainsi dit l'Éternel, qu'un dit soit la chose est. En tout temps, en somme, tu as dit 6 à 9 aussi. Et si on dit la parole, c'est Dieu là. Toutes choses ont été créées par elle, c'est pas ça? Oui. Satan a été créé par quoi? Frère. Faut me répondre. Selon votre Bible, on dit selon votre toutes Dieu choses ont été créées par la parole de Dieu. Maintenant, Satan a été créé par la parole de qui? De qui? De Dieu, non? De Dieu, non. Donc, Satan aussi est Dieu. Si on veut aller dans la logique. C'est comme ça qu'ils analysent les écritures. Comme la parole de Dieu n'est pas Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Mais c'est un reflet pour l'Éternel. Si on a mis le Coran et la Bible, on a brûlé les deux livres. Est-ce qu'on a brûlé Dieu? Non. Mais c'est Dieu, non? On dit que c'est la parole de Dieu. Ça représente Dieu, mais ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Parce que dans votre Bible, les cieux et la terre étaient créés par la parole, même les arbres. Donc selon vous les chrétiens, on doit adorer les arbres parce que c'est Dieu. Puisque la parole de Dieu est Dieu littéralement comme français. Ah, dans Satan aussi est créé par la parole de Dieu. Donc Satan aussi est Dieu. Question. Frère, frère, tu as pris Jean 1, Luc, quand tu es arrivé au verset 15. Verset combien? Verset 15 par là. Oui. La Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit. Attentivement. Hein? La Bible n'a jamais dit que la parole s'est faite chair. Mais la parole a été. La parole a été faite. Qui a fait? Qui a fait? Qu'est-ce que c'est devenu chair? Et dans le verset Galates chapitre 4, verset 4. Mais quand lorsque le temps était accompli, oui. Dieu a envoyé son fils aîné d'une femme. Oui. Fils veut dire quoi? On peut commenter biblique. Serviteur de Dieu. Non, on va lire, on lit au mort. Si on lit pas, ils vont dire sommes des menteurs. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui. Tu donnais à Jésus. Tu donnais à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. Dans quoi les fils de David dit quoi? L'envoyé de Dieu en hébreu c'est Shaloka. En arabe c'est Rasoul. Donc Jésus c'est un prophète de Dieu. Mais Dieu n'est pas prophète de Jésus. Claire. Et Dieu n'a jamais dit qu'il est Jésus. Mais Dieu dit qu'il est Jésus. Mais Dieu n'est pas Jésus. Et dans la Bible il y a beaucoup de Jésus. Il y a Jésus voleur. Il y a Jésus brigand. Il y a Jésus même qui est enfant dans la Bible. Il peut donner le verset. Frère. Non, il te laisse un peu la passe mon vous frère. Vous avez utilisé un passage. Quel passage? Que vous utilisez dans les églises. Oui. Même quand vous croisez un musulman dans la rue. Tout on l'a dit. Jean 3:16. Dieu a moi aimé. Oui. Attends, il y a dit tout chrétien qui médite sur cette parole-là. Uh-huh. Il sait que la doctrine ne dit que Jésus est Dieu. Uh-huh. Dans l'enseignement. Écoute bien. Jean 3:16. Dieu. Car attends. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Uh-huh. Mais qui est la vie éternelle? En effet. Je me limite à là d'abord. Okay. Le verset nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Qui l'a donné? Il a fait quoi? Il a donné. Il a donné qui? Il a donné qui? Jésus. Donc, c'est pas donné. Mais si le passage dans la Bible oui. était écrit, oui. Dieu a tant aimé le monde, oui. qu'il s'est donné en fils, tous les chrétiens, vous aurez raison. Franchement, tous les chrétiens du monde, vous aurez raison. Si le passage de Jean 3:7 disait que Dieu s'est donné en fils, là on sait que quoi? Lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pris l'apparence du fils. Mais le passage dit quoi? Dieu a donné. Je viens par exemple. J'ai dit mon frère, tiens ça. Je t'ai donné ce bidon. Il va prendre. Entre moi et le bidon, qui a donné le bidon? C'est moi. Si tu dois remercier le bidon ou bien moi, qui tu vas remercier des deux? C'est pas lui qui a donné le bidon. C'est le bidon, mais donateur. C'est le bidon que tu vas remercier, mais c'est moi qui a donné le bidon. Garçon. Donc c'est ça, vous chrétiens, vous ne comprenez pas. Vous devez remercier Dieu. Ne remerciez pas Jésus. Parce que Jésus, c'est un donateur. Jésus n'est pas donateur. Non, selon eux. Hein, parce que Jésus. Oui, mais Jésus est Dieu, donc c'est un donateur. Hop, il a été donné. Le passage est clair dans Jean 3:16 nous dit quoi? Dieu a donné Jésus comme don. Donc si Dieu n'a pas donné Jésus, Jésus ne peut pas exister. Et vous devez comprendre encore un passage. Jean chapitre 5, le verset 30. Frère, il faut prendre un peu le passage rapidement. Jean 5, verset 30. Jean 5, le verset 30. Jésus est en train de parler. J'ai dit, si vous aimez Jésus, vous allez prendre les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. On nous dit quoi? Jésus dit quoi? Jean 5, 30. Jean 5, 30. Oui. Je ne peux rien faire de moi-même. Qui a dit ça? C'est Jésus qui parle. Donc, il a dit quoi? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? D'après ce que j'entends. Oui. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens ont venu ouvrir la bouche aujourd'hui. Uh-huh. Oh, tu ressuscites les morts. Oui. Tu guéris les gens. Oui. Tu guéris les
fais ceci, oui. Tu fais cela. Oui. Jésus dit dans Jean 5, le verset 30, je ne peux rien faire d'après ce que vous attendez. Oui. Et mon jugement est bon. Oui. Jésus dit quoi? Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Frère, si vous réellement vous aimez Jésus, vous allez prendre ses paroles. Et Jésus, quand vous parlez dans Jean, tu as dit quelque chose qui est tellement important. Tu as dit dans Jean 5, Jésus a dit qu'il ne peut rien faire. Ouais. Dieu qui ne peut rien faire, toi tu le suis. Mais je comprends pas. Dieu que tu suis, il ne peut rien faire. Moi, je comprends pour toi. Hein? Vous devez voir mon frère. Frère. Bon, moi, mais ceux qui sont au black, là, mais ceux qui vont faire quelque chose demain, mais toi, tu suis un Dieu qui peut rien faire. Moi, je comprends pour toi. Claire. Et puis, en Dieu, Dieu a dit quoi? Ouais. Il fait miracle à travers ce que Dieu l'a donné. Claire. On lit dans Luc chapitre 11, verset 20. Luc chapitre 11, verset 20. Oui. Écoutez. Hein. Parce qu'on attend des fois, mon frère Claire. Ouais. Viens Jésus. Si tu veux mariage, viens Jésus. Oui. Si tu veux visa, viens Jésus. Et puis quand Jésus devient PDG. Hein? Si tu veux mariage, viens Jésus. Il s'est marié avec quelle femme? Hein? Donc vous êtes là pour voir ça à cause de Jésus. Jésus m'a jamais mis son pied dans le vol. On revient pour dire miracle là. Il y a un miracle en fait au nom de Jésus, c'est Satan qui fait ça. Parce que le véritable miracle là, ça n'existe plus. Jésus a opéré miracle sur l'eau de Dieu. Nous lisons. Luc 11, verset 20. Luc 1, verset 20. Alors, mais, Jésus dit quoi? Mais, moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Est-ce qu'on peut donner le pouvoir à Dieu? Non. Mais ils vont dire oui. Est-ce qu'on peut donner le pouvoir à Dieu? Dieu n'a pas de pouvoir, mais Dieu est pouvoir. Il donne à ceux qui n'en ont pas. Frère, vous savez, j'ai dit Jean 3, 16 ans, je vous conseille, tous les chrétiens qui m'entendent, allez-y, mettez ce passage. Parce que c'est le cœur de la Bible. Je sais de quoi je parle. On a fait le christianisme, nous connaissons ça. C'est le cœur de la Bible. Et toi-même, tu as évoqué ce passage, c'est le cœur de la Bible. Alors que ce passage vous montre réellement que quoi? Jésus n'est pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné Jésus. Mon frère, si Dieu n'avait pas donné Jésus, il n'allait pas exister. Claire. Mais maintenant, quand tu dis, la parole est Dieu, là, regarde quelque chose. Jean 14, verset 24, Jésus dit quoi? En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et c'est la parole, c'est pour lui. C'est pour lui. La parole que vous attendez n'est pas de moi. Donc il n'est pas la parole, mais c'est la parole qu'il a créée. Kun faya kun. Inna ma muruhu iza arada shay'an an yakul lahu kun faya yakun. Jésus est confirmé dans Somme 33, le verset 6 à 9. Lorsque Dieu fait une chose, oui. Il suffit de dire soit et la chose est. Oui, frère, si vous aimez Jésus, vous ne devez pas le considérer comme Dieu car il a été envoyé par Dieu. Si vous adorez l'envoyé, vous êtes dans les problèmes. Je reviens sur le témoin de Pierre. Ouais. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 22. Actes chapitre 2, verset 22. Et avant de lire ce passage, on va dans Jean 19, verset 35. Une minute, mon frère. Ok. Celui qui a vu, qui a témoignage, son témoin est quoi? Est vrai. Et c'est lui la vie de Jésus. Question. On va voir pleinement ce homme. Oui. Israélite. Israélite. Écoutez ces paroles. Si j'ai qui? Jésus de Nazareth. Oui. Cet homme. C'est quoi? Cet homme. C'est un homme. À qui Dieu? À qui? À qui Dieu a rendu? Oui. A rendu témoignage. Oui. Devant vous. Par les miracles. 5 secondes. Mon frère, on lui laisse. C'est fini? 10 secondes. S'il a le courage, il n'est qu'à me donner un seul verset de la Bible. Où Dieu a dit je suis homme, soit il peut devenir homme. Si tu demandes l'université, devenir musulman, chrétien sous le champ. Où Dieu a dit, je suis homme dans la Bible, soit il peut devenir homme. On vous attend, les frères. Ok, on vous remercie. Donc nous sommes dans la dernière série de 15. La dernière série de 15. Ok. Ok, donc on parle le micro au frère chrétien. Vous voulez le micro?
Amen. Amen. Je voulais rebondir rapidement sur son intervention. Jean, prépare d'abord Jean, Jean 3, Jean 5, verset 39, comme disait 39 à 40. Jean 5. Jean chapitre 5, rapidement. Oui, Jean 5. Hein? Jean 6, si tu peux. Jean 6, oui. 39 à 40, délis ça. Vas-y. 39. Jean 6, 39 à 40. Oh! Vas-y. Laisse appuyer les bras. Vas-y. Vas-y. Oh! La volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que. C'est que je ne perds rien de ce que tu m'as donné. Oui. Que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. À la lecture de ce texte-là, et comme beaucoup tant d'autres, ça laisse entrevoir qu'il y a deux personnes différentes. On est d'accord? Ça laisse entrevoir qu'il y a deux personnes, une personne qui a été envoyée et une personne qui envoie. On est d'accord? Mais n'oubliez pas que Dieu a un double langage. Le double langage de Dieu. Et nous voyons ça au travers même de la Bible. Libre, Jean 10, 24. Jean 10, 24. Jean 10, 24. Vas-y. Jean 10, 24. Vas-y. Les chiffres l'entouraient. Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Père, le Père qui m'a envoyé, afin que j'accomplisse la volonté de mon Père. Mais ça ne veut pas que je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Il parlait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Cette grande confusion-là semait le doute dans l'esprit des pharisiens. Et en point qu'ils se demandaient, mais tu prétends qui? Tu dis une chose aujourd'hui, après tu viens dire une chose. Donc, celui-là, quand il lit le verset, pour lui, c'est deux personnes différentes. Il ne sait pas que Dieu peut se dédoubler. Dieu peut se parler à lui-même. Il peut changer de langage. Alors si tu veux comprendre Dieu dans sa dimension charnelle, là, tu vas te perdre. Amen. Continue. Les chiffres lui disent. Les chiffres l'entouraient. Et lui dit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tiendras-tu notre esprit en suspens? Pourquoi les chiffres viennent lui poser cette question? Tu dis que tu es Dieu. Et tu dis que tu es venu faire la volonté. Retourner dans les Écritures et vérifier mes œuvres. Ça rend témoin de moi. Donc tu es Dieu. Alors, mais pourquoi est-ce que tu dis encore qu'on t'a envoyé? Dis-nous clairement que tu es Dieu, puis c'est fini. Le problème est coupé. Il n'y a plus encore discours. On ne va plus venir encore t'embêter. Continue. Si tu es le Christ. Si tu es le Christ là. Dis-le-nous franchement. Dis-le-nous franchement. Au lieu de parler en parabole, Dieu, mon père m'a envoyé. Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Tu ne sais pas que Dieu se parle à lui-même souvent. Tu ne sais pas. Tu lis le Coran là. Tu lis tous ces vêtements en fait quoi. On lit. Prends la sourate. Sourate 33. Verset 56. Sourate 33, ayat 56. Sourate 33. Vas-y. Sourate 33, ayat 56. Vas-y. 56, vas-y directement. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Et puis Allah et ses. Attends. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh vous qui croyez. Oh vous qui croyez. Priez sur lui. Priez sur lui. Et adressez-lui vos salutations. Adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah. Ceux qui offensent Allah. Et son messager. Et son messager. Allah les maudit. Allah les maudit. Ici-bas. Ici-bas. Comme dans l'au-delà. Oui. Et leur prépare un châtiment avilissant. Oui. Et ceux qui offensent les croyants. Oui. Et les croyantes. Oui.
sans qu'il l'ait mérité. Oui. Se charge d'une calomnie et d'un péché évident. Voilà. Ô prophète, oui. Dis à tes épouses oui. et à tes filles oui. et aux femmes oui. des croyants de ramener sur elles leur grande folle. Oui. Elles en seront plus vite reconnues. Oui. Non, c'est qu'on s'il te plaît. Un sujet, c'est qu'on s'il te plaît. Je monte. Nul. Sourate 33. Oui. Aya 55. Vas-y. Nul grief. Nul grief. Sur elle au sujet de leur père. Vas-y. Leur fils. Oui. Leur frère. Oui. Leur fils et leur frère. Oui. Leur fils de leur soeur. Oui. Leur femme. Oui. De suite et les esclaves qu'elle possède. Oui. Et craignez Allah. Craignez Allah. Car, oui. car Allah est témoin oui. de toutes choses. Oui. Continue. Certes, oui. Allah et ses anges prient. Allah et ses anges prient. Attention. Allah prie qui? Certes. Attention. Allah prie qui? Il est Allah. Il prie qui? Père, tu m'as envoyé. Qui t'a envoyé? Allah qui prie, il prie qui? Parce que Allah, c'est la suprématie. En Dieu, il va prier. Oh, moi, je prie parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Mais Allah qui est Dieu, qui est tout puissant là, mon frère, il prie qui? Tu vas me répondre ça, tu te dois de me répondre ça. Il ne connaît pas le double langage de Dieu. Exode 34, 4 à 5. Exode 34, 4 à 5. Et puis tu prépares Zacharie. Dieu qui m'a envoyé, c'est un langage que Dieu, Jésus prêchait, parlait pour confondre les pharisiens. Mais quand il est dans le secret avec ses 12 disciples, il les révèle tout. Père, Père, c'est qui? Philippe lui dit, Seigneur, moi tout le Père, cela nous suffit. Il dit, tu dis quoi? Tu es comme eux encore. Tu raisonnes comme eux. Ceux qui sont dans l'intelligence corrompue là. Tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père à moi, tu m'as vu. Le Père que tu cherches depuis longtemps, c'est moi. Dis, Père, Père, Père. Il y a un chenille qui m'a envoyé. Exode 34, 4 à 5. Exode 34. Vas-y. 4 à 5. Oui. Moïse taille deux tables de pierre. Moïse taille deux tables de pierre. Comme les premières. Comme les premières. Il se leva de bon matin. Il se leva de bon matin. Et monta sur la montagne. Oui. Ouais. Selon l'ordre que l'Éternel oui. avait donné. Vas-y. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit. L'Éternel descendit. Dans une nuée. Dans une nuée. Se tint là auprès de lui. Attention. Et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel descend là. Et encore il proclame le nom de l'Éternel. Continue. Et l'Éternel passa devant lui. Et l'Éternel passa devant lui. Et s'écria. Et s'écria. L'Éternel. Éternel. L'Éternel. Éternel. Dieu miséricordieux. Attention, mets pause. C'est deux personnes qui parlent là. Tu remets ta tête. C'est deux personnes qui parlent là. C'est une seule personne qui se parle à lui-même. C'est la divinité. Celui qui veut limiter Dieu dans son intelligence, il est corrompu. Tu es perdu. Vas-y. Reprends la lettre, tu n'as pas tout compris. Moïse taille deux tables de pierre. Moïse a parlé l'essentiel au verset 5. Au verset 5. Oui. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là. L'Éternel qui est descendu dans une nuée. Seule une seule personne a fait ça. Mohamed n'a pas pu faire ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça. Qui est monté dans une nuée et qui descendra dans une nuée. Apocalypse 1, 5. Tu sais pas ça? Tu crois que Jésus a un camarade de Mohamed, c'est ton camarade. L'Éternel descendit sur la terre. Se tint là. Il se tint là. Auprès de lui. Auprès de Moïse. Il proclama le nom de l'Éternel. Il proclama encore son nom. Et l'Éternel passa devant lui. Et l'Éternel passe devant Moïse. S'écria. Il s'écria. L'Éternel. Éternel. L'Éternel. Éternel. Dieu miséricorde. Dieu miséricorde. Ah, c'est deux personnes. Est-ce que c'est Dieu, c'est deux personnes? Vous n'avez pas. Tu n'as pas la réponse à ça. Alors, prépare Zacharie, s'il te plaît, rapidement. Zacharie 3, 1 à 3. Dieu qui m'a envoyé, Jésus m'a envoyé. Tu sais pas que Jésus tenait un double langage? Vas-y. Zacharie 3, 1 à 3. Rapidement, frère. Oui, 1 à 3. Le double langage de Dieu. Dieu parle tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une autre manière. Pour confondre ceux qui sont corrompus. Mais celui qui a ses fils, il les révèle. On ne marche pas avec Dieu selon leur propre connaissance. Non, non. Tu vas t'égarer, mon frère. Tu veux lire la Bible selon la compréhension humaine de tes pères. Zacharie 3. Zacharie 3. 1 à 3. 1 à 3. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Oui.
debout devant l'ange de l'éternel. Des gens devant quoi? L'ange de l'éternel. Ah, l'ange de l'éternel est là. Hein. Ce qui revient dit que c'est Dieu lui-même qui est là. Il n'y a pas de différence. Vas-y. Et Satan. Qui se tenait là à droite. Il se tenait à droite. À sa droite. Pour l'accuser. L'éternel dit à Satan. Que l'éternel te réprime. Au lieu qu'ils disent que je te réprime, il dit que l'éternel te réprime. Dieu se parle à lui-même. Dieu est multidimensionnel, homme frère. Si vous lisez la Bible et que vous ne comprenez pas, prier, il va vous aider. Dieu se révèle. Si tu dis que non, comme j'ai dit, Jésus a dit, Père qui m'a envoyé. Mais le Père même qui l'a envoyé, il était où? Il était où? Il était en haut? On va répondre à ça. S'il était en haut, mais il était en Jésus. Jean 14. Est-ce que Jésus n'a pas résolu tous les problèmes de compréhension avec ses disciples avant de les envoyer? Père, le Père qui m'a envoyé, j'ai été envoyé pour faire ceci, cela, cela. Ça, c'est les bêtises. En toi, dans le mystère de Dieu, ce que Dieu lui-même dit. Oui. Jean 14. Allez. Donc, vas-y directement. Ne pratique pas que Jésus. Oui. Rapidement, frère, on perd le temps. Jean 14. Ouais, Jean 14. Oui. Jésus lui dit. Je suis le chemin. La vérité. La vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Ah, il ne dit pas lui ne va. Hein. Parce que selon lui, dans sa définition, mais dans sa démonstration, il dit Jésus a été envoyé. Ah, s'il a été envoyé, c'est qu'il a envoyé. L'envoyé, il est où? Il est haut. Jésus est sur la terre. C'est un envoyé. Mais il ne dit pas lui ne va au Père qu'en croyant en moi. Hein. Il dit, ni ne vient au Père. Continue. Jésus lui dit. Je suis le chemin. La vérité. La vérité et la vie. Lui ne vient au Père. Le Père est où? Que par moi. Si tu as fini, vas-y. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon père. Vas-y. Et dès maintenant, vous le connaissez. Est-ce que Jésus n'a pas résolu ce problème-là? Et vous l'avez vu. Et tu as quoi? Réponds la lecture. Et quoi? Et vous l'avez vu. Mais ici, la problématique, c'était Dieu en haut. On ne voit pas le Père, qui est le Créateur. Il dit, vous l'avez vu. Ici là, il y a moi si je suis. Continue frère. Philippe lui dit. Seigneur. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Tu nous fatigues tes raisonnements, tes paroles doubles, tes doubles langages. Ceci, cela. Dieu le Père, Dieu le Fils, tu m'envoies ici. Je suis venu pour accomplir ta volonté. Ceci. Vas-y. Jésus lui dit. Il y a si longtemps que je suis. Philippe. Depuis que je fais les œuvres avec toi, j'ai fait ici. Je viens ici, on ouvre la pite, on va ici, on avance ici là. Tu ne sais pas encore qui est le Père. Depuis que je suis avec vous, tout ça là, malgré qu'on m'a circoncis là, tu es encore dans le même esprit à eux. Tu ne sais pas que je suis le Père. Tu ne crois pas en cela. Jésus répond. Et tu ne m'as pas encore connu. Philippe. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Non, tu lis mal. Réponds à la lecture. Philippe lui dit, Seigneur, montre-moi le Père. Et cela nous suffit. Tu nous fatigues là. Continue. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que le Père est sur terre. Tu cherches encore le Père ailleurs. Continue. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Amen. Comment peux-tu dire encore? Montre-moi le Père. Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Le Père en moi. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Attention. Moi, je suis que tu vois Chanel là. Ce n'est pas moi qui parle. Il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. La divinité est en lui. Reprends. Continue. Je vais limiter. Jésus. Amen. Jésus, c'est un personnage doublé de nature. En fait, Jésus est charnel. Il a pris un corps pour habiter. Parce que dans le monde des humains, en venant ici, il faut un corps. Tu as un corps qui permet de toucher, de comprendre des choses, de palper. Mais au-dedans de toi, il y a un esprit. L'esprit là, c'est ça qui est ton identité.
et tu as ta conscience. Oh frère, c'est pourquoi Jésus pourrait dire le Père à moi. On ne peut pas dissocier, vous n'allez jamais voir dans la Bible Jésus est Dieu. On dit Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Mais on ne peut pas dire Jésus est Dieu. Parce que Jésus c'est le corps simple. Il peut manger, il peut pisser, il peut avoir faim, ceci. Mais Jésus-Christ là, attention. Fais attention quand tu dis Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Ok, on remercie les frères. Amen. On fait des frères musulmans, Inch'Allah. Frère, lis ouvert. Non, non, frère, frère Cyril, c'est pas mauvais. Tu as parlé beaucoup, mais comme tu n'as rien dit, c'est pas grave. On va t'aider un peu quand même. Hein? Frère, non, 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 on va rectifier d'abord quelque chose. Il a souligné quelque chose. Coran chapitre 33, verset 55. Frère Cyril, tu as le Coran en arabe. Il faut lire ça d'abord en arabe, je vais voir. Il peut pas. Hein? Lis ça d'abord en arabe et puis on va continuer pour que tu comprennes le sens. Hein? Tu connais pas, non? Ok, c'est pas grave. Surat 33, verset 55. Inna Allah wa malaikatu yusoluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu. Je reviens d'abord sur le mot solu. Ça veut dire quoi, frère? Solu. Frère, écoute bien. Il entend. Le passage. Déjà, là, dans le langage, mais quand tu as lu en français, ils ont mis un point pour te dire où Dieu dit prière. Ils t'ont donné l'explication en bas. Mais tu as refusé de lire ça pour montrer ça aux gens. Par malhonnêteté. Écoute bien. On dit, prière sur lui. Prière sur lui. La prière que Dieu fait, c'est son appel bénédiction. Quand tu dis, oh Dieu, bénis cet homme. Oh Dieu, bénis cet homme. Dieu le bénit comment? Est-ce que Dieu s'arrête pour parler sur lui? Non. Genèse 12, le verset 3. Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, je te bénirai, je te bénis. Mais Dieu le bénit comment? Est-ce que Dieu s'assoit que pas en train de faire la bénédiction sur lui? Pas du tout. Non! C'est sa miséricorde qui met sur lui, sa grâce qui te fait sur lui. Bénédiction. Ce n'est pas une prière. Mais ils ont mis la traduction ici en soulignant ça par prière parce qu'on ne peut pas définir. C'est pour ça que le Coran a mis un petit signe qui te dit, frère, faut aller vérifier parce que le sens est ambigu, c'est pas net. Mais vous prenez le sens littéral qui est là, il y a prière sur lui. Frère, désolé. Va relire ça en arabe, tu vas comprendre encore le sens. Contrairement à ce qu'il lui a dit. Ouais. Alors qu'on voit dans la Bible, dans Luc 6, verset 12, ouais. On dit en ce temps-là, Jésus passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Donc Dieu a passé la nuit à travers de qui? Allah. On dit Allah a béni son prophète, ainsi que les croyants, nous autres. Tous les musulmans bénis Mohammed. Ainsi que tous les créatures qui croient en Dieu. Ouais. Mais moi, je vais savoir, est-ce que les pasteurs pour passer la fidèle? Si. Donc pasteurs aussi d'adorer les fidèles. Parce que les pasteurs prient sur la fidèle. Ils prient sur donc quand un pasteur prie sur fidèle, la fidèle est quoi pour lui? C'est la bénédiction qui te fait pour que Dieu t'accorde des choses. On regarde sur Jean 14. Jean 14, il dit, a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Il y a aussi les gens qui sont avec vous, tu n'as pas encore connu Philippe. Oui. Jean 14, verset 9 à 10, quoi. Oui. Non, si on comprend, mais celui qui voit Jésus voit qui? Il voit Dieu. Et celui qui attrape Jésus? Il a attrapé Dieu. Et celui qui frappe Jésus? Celui qui frappe Dieu. Bah, celui qui frappe Jésus, il frappe qui? Il frappe Dieu. Mais là, si on a tué Jésus? Si on a tué Jésus, on a tué Dieu. Mais ils sont un là. Hein? Est-ce qu'on a tué Dieu? Parce qu'il a dit, il y a aussi longtemps que Jésus avec vous. Ouais. Donc celui qui voit Jésus, il voit Dieu. Mais là, si on tue Jésus? Est-ce qu'on tue Dieu? Il va dire oui. Lui, il va dire oui. Oui. Et il dit encore, il dit non, Jésus n'a pas dit les dieux, mais c'est plutôt c'est Jésus-Christ. Prends-moi Ephésiens chapitre 1, verset 16. Ephésiens chapitre 1, verset 16. Il a dit, Jésus n'a pas dit les dieux, mais Christ. Même les païens les appellent dans la Bible. Ésaïe 45, verset 1. Ephésiens chapitre 1, verset 16. Ephésiens chapitre 1, le verset 16. Ok. Écoutez, hein. Il a dit, c'est pas Jésus qui a dit les dieux, mais c'est plutôt c'est le Christ qui est Dieu. Écoutez. Paul est en train de parler. C'est pas qu'il parle. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire quand Paul prie, il demande à Dieu qu'il vous donne intelligence, n'est-ce pas? Alors. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends.
frère. Attention, il y a un feu rouge là. Ah bon? Il dit afin que le Dieu de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus est un Dieu. Jésus est un Dieu. C'est qui? C'est qui? Attends, il aimerait vous jouer avec les écritures. Ah frère. Tantôt, hein? Jésus là. Christ. Jésus-Christ. Ouais. C'est le nom des hommes. Dieu ne s'appelle pas Christ. Il n'y a aucun chrétien qui peut dans une écriture de l'Ancien Testament où les Juifs vont appeler Dieu Christ. Frère. Et puis là, il veut faire comme si Jésus était en train de mentir. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu Dieu là. Ce n'est pas au sens physique. Mais au sens quoi? Mais au sens spirituel de quoi? Du message qu'il a envoyé de la part de Dieu. D'accord. Parce qu'il ordonnait ce que Dieu ordonne. Il interdit ce que Dieu interdit. Il aime ce que Dieu aime. Oui. Et il manifeste réellement la volonté de Dieu sur terre. Maintenant, tu vas comprendre quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire quoi? Jean chapitre 5, le verset 37 à 39. Écoutez, c'est Jésus qui parle encore. Nous lisons. Jean chapitre 5. Écoute bien, frère. C'est Jésus qui parle, montez. Jean chapitre 5, le verset 37. Jésus dit quoi? Le Père qui m'a envoyé. Veut dire Dieu. C'est-à-dire Dieu qui m'a envoyé. Ah bah, oui. Jésus dit quoi? A lui-même rendu témoignage de moi. Oui. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Oui. Ni vu sa face. Il a dit quoi? La question. Jésus dit. On n'a jamais entendu la voix de Dieu. Uh-huh. On n'a pas encore vu sa face. Ce que les gens, Jésus, les disciples ne le voyaient pas. Frère, ils ne voyaient pas Jésus. Pourquoi ils disent qu'on n'a jamais vu la face de Dieu? Ils disent quoi? On ne peut pas voir Dieu. Comme Jésus a confirmé dans Jean chapitre 4, le verset 25. Jésus dit quoi? Dieu est esprit. Est-ce qu'on voit un esprit? Non, frère. On ne voit pas un esprit. Dieu ne s'est pas incarné en Jésus. Il s'est manifesté en Jésus. Ne confondez pas l'incarnation et la manifestation. Parce que vous devez comprendre que Jésus est un envoyé de Dieu. Je reprends encore. Jean chapitre 12, le verset 49 à 50. On va lire ça encore. Parce que vous voulez mentir Jésus. J'en connais. Jean 12, oui, verset 49. Verset 49. Le Père qui m'a envoyé. Écoutez, chers parents. M'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Chers parents, suivez. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Non, je reprends, je vais lire pour eux-mêmes. Ils vont dire au moins. Quoi, ils vont dire qu'on ment. Ah, d'accord. Jean chapitre 12. Oui. Le verset 49. Ok. Jésus dit. Car. Mais. Jésus dit, car mes paroles oui. ne viennent pas de moi. Oui. Le Père qui m'a envoyé oui. m'a commandé lui-même. 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 Jésus dit, Dieu lui a ordonné. M'a commandé lui-même ce que je dois dire et annoncer. Frère. Mais il a dit qu'aux hommes. Il a dit qu'aux hommes. Jean 17, verset 3. Verset 3. Ouais, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. On envoie Dieu. Qui a envoyé Jésus? Frère, sont sérieux. Sont sérieux. Est-ce que Jésus a menti? Quand il dit Dieu m'a envoyé? Je reviens encore dans Jean 3,16. Si les chrétiens me disent Jean 3,16, le débat est clos. Dieu n'a pas dit je suis venu en fils. Dieu dit j'ai donné. Celui qui donne n'est pas ce qui a été donné. Moi j'ai donné ce bidon. Est-ce que je suis ce bidon? Pas du tout. Méditez, chers parents. Merci mon frère. Méditez, chers parents. Oui. Il faut qu'on se ressaisisse. Bien sûr. Parce que Jésus dit, tu as créé. On a nos parents, ils ne savent pas ça. Ah, c'est là. Bon, d'accord. Allons-y en même temps. Non. Marc 12. Prends. On va aller sur le vent du homme. Non, tu as la Bible. Non, pas cette version-là. L'évangile de Marc 12, verset 28 à 30, Jésus dit il a été créé. Commence, lis, commence à lire pour nous. Et avant de lire ce passage, Marc 12, verset 29. Lis. Un des scribes qui avait entendu discuter. Ça dit Jésus discutait. Sachant que oui. Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Oui. Il s'approcha du fils de Elf, lui oui. demanda uh-huh. quel est le premier de tous les commandements. Oui. Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est lui qui a dit ça. Jésus dit, oui. le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. D'abord, il a dit Israël. Oui. Qui est Israël? Genèse 32, verset 28. On dit Jacob. Oui. Donc on parle d'Israël. Qui a créé Israël?
c'est Dieu. Ésaïe 43, verset 15. Ouais. Donc ici, Israël était créé par qui? Par Dieu. Donc Jésus dit, écoute Israël, c'est-à-dire peuple de Jacob. Le Seigneur, notre Dieu. Lorsqu'on dit notre Dieu, ça veut dire quoi? Notre pays, la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on dit notre pays, la Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Le nôtre, c'est pas parce que ça nous appartient. Qui a créé Israël? C'est pas Dieu. Mais pourquoi il dit notre? Et pourquoi il dit notre? Donc il a été créé aussi. Il dit, fou la foi, Dieu, c'est mon Dieu. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 20, le verset 17, à Marie de Managala, ne me touche pas, Marie. Ne me retiens pas, plutôt. Ne me retiens pas. Je ne sais pas encore retrouver mon père. Va trouver mes frères. Et Dieu, je m'en veux mon père. Et aussi ton père. C'est-à-dire quoi? Si Dieu a un papa là, nous aussi c'est notre papa. À tous. Maintenant, si Dieu, Jésus s'est limité à Allah là, vous les chrétiens, vous allez penser autre chose. Regardez la suite encore. Jésus dit quoi? Je m'en veux mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Dieu. Quel est son Dieu qui est notre Dieu? C'est lequel? Question. Frère, on peut arrêter ça. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là. Jésus prit la parole. Je te loue, Père. Seigneur des cieux. Seigneur de la terre. Il y a combien de seigneurs selon la bouche de Jésus? Frère, sont sérieux. Et puis quand Jésus ressuscite les morts, oui. Vous voyez nos parents prendre Jean chapitre 11. Jean 11. Nos parents s'aventurent. Jean 11, verset 19. A dit ça dans les écrits. Alors, la Bible. Quand Jésus ressuscite les morts, écoutez ce que Jésus. D'abord, qu'est-ce que la femme a demandé à Jésus? Et vous allez écouter la réponse de Jésus. Jean 11. Écoutez bien. Jean chapitre 11, verset 19. Jean chapitre 11, le verset 22 d'abord. Matthieu. Au verset 21, Marthe dit, Seigneur, mais faut que les gens comprennent qui est Marthe, c'est la soeur de Lazare. C'est la soeur de Lazare, c'est l'ami de Jésus. Seigneur, oui, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marthe dit quoi? Oui, mais Jésus, oui, je sais que tout ce que toi, Jésus, tu demandes à Dieu, Dieu t'accorde. Mais elle a vu Dieu devant lui, devant un pauvre. Mais est-ce qu'elle avait le Saint-Esprit? Moi, pose la question. Marthe dit, Jésus, oui. Je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu là, Dieu va t'accorder. Écoutez maintenant au verset 42. Jésus dit quoi? Après avoir ressuscité Lazare, mais la Bible nous dit quoi? Jésus leva les mains au ciel et dit, Père, Dieu, je te remercie. Il remercie qui? De ma foi exaucée. Il remercie qui? Lui-même. Et il dit quoi? Car je sais que tu m'exauces toujours. Mais on peut exaucer faut, Dieu. Faut terminer la phrase là. Mais. Mais j'ai parlé ici à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils sachent que toi Dieu tu m'as envoyé. Mais il dit Jésus est l'envoyeur. Frère, arrêtez ça. Jésus est envoyé et il dit non, c'est lui-même qui est envoyeur. Frère, arrêtez ça. N'égarez pas les gens dans vos églises. Ce n'est pas encore fini. Parce que si vous faites ça, oui. S'ils ont considéré Jésus comme Dieu, eux ils vont aller en enfer. Deux. Et vous, votre châtiment sera doublé. Parce qu'eux, ils ont foi en Dieu. Les hommes sont sur cette terre-là. Quand on parle de Dieu net, ils sont prêts à s'accrocher. Donc quand vous partez les mentir que Jésus est Dieu, et d'abord, Dieu ne va pas jouer avec vous. Vous les premiers, vous ne va pas jouer. M'en fait clapper ici. Non, on va prendre le Coran. Il nous a dit que dans le Coran, on doit démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Prends-moi sur verset 16. Écoute bien. Le Coran dit tout ce qui dit Dieu va demander à Jésus. C'est toi qui as dit à ceux qui sont habitués de Dieu. Dis-moi. Coran chapitre. Oui. Coran chapitre 5, le verset 72. Dieu dit d'abord. Des méchants. Ce sont des égarés. Les mécréants. Des mécréants. Ceux on qui va disent, lire. Ceux qui disent que Jésus est Dieu. Dieu dit, si vous ouvrez votre bouche pour dire ça, vous êtes égarés du droit chemin. Faut lire. Pourquoi? Au verset 75, Jésus, Dieu dit quoi? Mon frère. Faut le Messie Jésus. Faut lire qui moi. Ce sont ça. Des mécréants. Ce sont des mécréants. En vérité, oui. Allah est le Messie. Oui. Jésus, fils de Marie. C'est ce qui dit Jésus à Dieu là. Alors Dieu le Messie a dit. Oh enfant d'Israël. Oui. Adorez mon Seigneur et votre Seigneur. C'est trop rapide. On revient au verset 75. Je donne ça, puis tu vas y accomplir. Mais pourquoi tu veux couper la partie là? Non, c'est mieux ici. Au verset 75, Dieu dit quoi? Oui. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un envoyé de Dieu. Les messagers sont passés. Les messagers sont passés avant Jésus. Est-ce qu'avant Jésus, il n'y avait pas problème en Israël? Sa mère était une véridique. Et lui-même était aussi un véridique. Qui est sa mère? Dieu dit quoi? Jésus et sa maman consommaient de la nourriture. Pour dire quoi? S'ils ont consommé de la nourriture, ils iront où? Sa mère gaba la nuit. 8 heures, tu vas où? Tu es trop intelligent. Donc Dieu s'en va là-bas. C'est ta permission. Quelques poussières. Ok, donc frère, on casse les restes. Quelques poussières. Salam alaikum. Quelques poussières. Rapidement, mais.
Ok. Nous avons fait la série des 15. 3 fois 15. Nous rentrons dans la conclusion. Donc mon frère, vous avez vu la parole. 5 minutes de conclusion. Après la conclusion, il reste des questions. On va conclure d'abord. 5 minutes. Tous ceux qui ont la question, attendez. 5 minutes pour la conclusion. Daniel 7. Quand il commence à nous tuer, tu te dis. Daniel 7. 13 à 18. J'ai regardé. Pendant mes visions nocturnes. Et voici. Sur les lieux des cieux. Arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et On le fit approcher de lui. On lui donna la domination. La gloire. Et le règne. Amen. Je crois très bien que ici c'est dans une vision que Daniel voit toutes ces choses. Il dit, pendant les visions nocturnes, je m'approchais pendant mes visions nocturnes, je vais prendre la lecture s'il te plaît pour m'aider. Je suis sur une autre personne ici. J'ai regardé. Pendant mes visions nocturnes. Et voici. Sur les nuées. Des cieux. Arriva quelqu'un de semblable. À un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On lui fit approcher de lui. Bref, ici on voit dans Matthieu 8, verset 20, on dit, Jésus lui dit, les renards retenirent et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Bref, Apocalypse 1, 5. Et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier et le dernier, d'entre les morts, et le prémisse, le prince des rois de la terre, s'il te plaît. Et à celui qui vous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Voici, je viens. Le Seigneur dit, voici, je viens, avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toute tribu de la terre se lamentera à cause de lui. C'est qu'ils ont coué. Voici dans Apocalypse chapitre 1 au verset 5, 6. Il dit, voici je viens. Amen. Donc nous voyons que Jésus n'est pas mort, mon frère. Dès qu'il soit le premier entre les morts, il est aussi le premier ressuscité entre les morts. Et il promet que je viens. Continue. S'il te plaît. Vas-y. De Corinthiens 10. Oui. Vas-y. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur. Qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. À l'obéissance de Dieu. Amen. Romains 10, premier ici. Romains 10, verset 18. La colère de Dieu se révèle contre les cieux. Se révèle du ciel. Contre toute impunité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur a fait connaître. Bref, en effet, la perfection visible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, attention, et
et sa divinité. La perfection invisible de Dieu a été rendue manifeste. Les gens ayant connu Dieu, comme Paul le dit ici aux Romains, n'ont pas accepté Dieu comme tel qu'il est. Ils l'ont ramené à la dimension charnelle d'un homme. Mais, il ne faut pas oublier, Dieu est esprit. Conformément de ton homme, Dieu est esprit. Mais cet esprit-là, ne peut-il pas se manifester en tant qu'humain? Cet esprit-là, ne peut-il pas se manifester en tant qu'humain? Et qui est ce véritable témoin qui annonce sa venue? Quelqu'un dont le frère dit ici tantôt, il est mort. En frère, moi je n'ai jamais dit que Jésus est Dieu. J'ai dit ici, Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas mentir ici, moi, je suis encore vivant. J'ai dit ici, vous n'allez jamais voir dans l'écriture, Jésus est Dieu. J'ai dit Jésus-Christ est Dieu, conformément à 1 Jean 5, verset 20. Alors, au regard de toutes ces vérités, au regard de toutes ces vérités, moi je ne peux que vous interpeller et à reconsidérer les choses de Dieu. C'est tout simplement ce que je peux vous dire. Maintenant, il me reste combien de temps? 2 minutes. Vas-y, écoute. J'aimerais revenir rapidement sur 2 Corinthiens 10, verset 5. Parce que ce que j'ai vu tout à l'heure est le fruit du raisonnement. Alors que nous savons que celui qui s'appuie sur la sagesse humaine ne peut comprendre Dieu. Comprendre Dieu, oui, il faut se laisser simplement guider par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça la parole pouvait dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne l'appartient pas. Tout à fait. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te donner de connaître Dieu. Sinon tu ne peux pas t'appuyer sur ta sagesse humaine qui est rien devant Dieu. Alors quand nous lisons 2 Corinthiens 10 verset 5. 2 Corinthiens 10 5 qui dit ici, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève à la connaissance de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est-à-dire ta parole, est une sagesse infinie et qui échappe à l'intelligence humaine. Tout à fait. Voilà. Si l'homme ne se laisse pas guider par Dieu, il ne peut connaître Dieu. Tout à fait. Comment comprendre que ce Dieu multidimensionnel, oui, prenons même le cas de nous, êtres humains, il arrive des moments où nous occupons des positions. Aujourd'hui, je suis ici, par exemple, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu. Mais en dehors de ça, j'ai un autre devoir. Je suis agent de sécurité. Et ces différentes positions que j'occupe ne font pas de moi 2 entités, 2 personnes. Mais il s'agit de la même personne qui exerce plusieurs fonctions. C'est comme ça, ce Dieu-là, qui est infiniment grand, qui est, qu'on ne peut pas, dont on ne peut connaître les limites. Il occupe différentes positions. Il occupe différentes facettes. Alors, quand on prend Marc 4, le verset 10, Dieu utilise un double langage par moment pour brouiller les pistes et il explique pourquoi est-ce qu'il fait cela. Pourquoi tantôt on dit Dieu envoie son fils, Dieu qui envoie son fils. Si on prend le raisonnement humain, on va dire mais Dieu a fait l'enfant avec qui? Dieu a eu des rapports sexuels selon le raisonnement humain, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement inconcevable. Alors comment comprendre Dieu fils? Prenons par exemple Marc 4, verset 10. Je crois que j'ai... Oui, vas-y. Marc 4, verset 10. Marc 4, 10. Marc 4, 10. Oui. Lorsqu'il fit en particulier... avec ceux de ses disciples, qui les entourait, il les enseignait sur les interrogeait sur ce qu'il les entourait en parabole. Ok, d'accord. Donc, pour conclure, en fait, c'était juste pour échanger, le temps nous est parti. Sur la pression, on ne peut rien faire de Dieu. Il faut permettre à ce qu'on ait, en multipliant pas ces gens de rencontres. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il permette à ce qui a été dit ici, permette à votre évolution, à votre croissance. Amen. Ok. Rapidement, mon favori, moi, Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens 1, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce, oui, pour vous, faisant mention de vous, dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, oui, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation. On peut s'arrêter là. Il a dit que moi j'ai menti. Il dit que ce n'est pas Jésus qui est Dieu, mais c'est plutôt Jésus-Christ, c'est pas ça? Oui. Ici on te dit encore Jésus-Christ est la même personne que Jésus. Oui. Ici Jésus a Dieu, Christ a Dieu. Maintenant il revient dans l'Ancien Testament. Oui. C'est sa conclusion. Et Esaïe 45, le verset 1. Oui. Ainsi parle l'Éternel, dit à son Messie. Ainsi dit, pardon, ainsi parle l'Éternel à son Messie Cyrus. Ici, on voit quelqu'un aussi, un père que Dieu l'a utilisé pour sa mission bien précise. Il est Messie avant Jésus. Et on voit Somme 105, verset 15. L'Éternel dit encore, ne touche pas mes Messies, moi encore mes prophètes. N'habille pas ma machine à l'hébreu. Donc, il laisse le temps, mon frère, qu'on a conclu. Que vraiment, Allah met la barque dans tout ce qu'on a dit ici. Inch'Allah. Donc, mon frère. Ok, donc nous remercions tous ceux qui ont assisté. Que Dieu vous bénisse précisément dans l'endroit où vous êtes arrêtés. Et que Dieu bénisse cette rencontre. Et nos frères qui sont venus là, nous les remercions aussi humblement. Mais le message de mot de fin est de vous dire, chers parents qui vous nous écoutez, musulmans, vous devez reprendre votre religion en main. Et ceux qui ne sont pas encore musulmans, sachez que l'islam n'est pas contre vous. Elle est venue vous éclairer. Peut-être vous pouvez être en erreur, mais elle est venue simplement vous dire des faits que Jésus a manifestés. Parce que le chrétien même le sait, que s'il est sur cette terre, qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, s'il meurt, il sait qu'il va aller en enfer. C'est pour cela que Jésus a donné un enseignement clair que j'aimerais que tous vous méditiez dessus. Dans Jean chapitre 6, verset 27 à 28, les disciples approchaient Jésus et lui ont posé une question. Jésus, nous sommes sur cette terre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus a dit à ses disciples, ainsi qu'à l'ensemble des humains, si vous devez faire l'œuvre de Dieu, vous devez croire que Dieu m'a envoyé. Donc si vous croyez que Dieu a envoyé Jésus, vous irez au paradis. Mais si vous croyez le contraire, sachez que Dieu ne va pas vous pardonner. C'est ainsi que le Coran vous met en alerte, en vous disant, chers parents, ressaisissez-vous, méditez réellement sur ce que le Coran vous enseigne. Le Coran n'a pas menti sur la personne de Jésus. Le Coran est venu dire réellement ce que Jésus lui-même il pensait de lui-même. Et c'est ça, nous vous invitons à méditer. Ces rencontres ne sont pas un lieu de manifester son fanatisme, mais d'aller méditer réellement sur la profondeur de ce qu'on a dit ici. C'est l'occasion que Dieu donne à chacun ici de pouvoir se ressaisir. Parce que moi, je vous dis, mais à qui est le mot, elle est comme moi. Mais je écris à l'Opez. Moussel est à qui est le mot. Mais elle est très Mamadou, bien chose. Qu'on a dit Mamadou. Mais je écris à l'Opez. À qui est le mot, tu as coupé. Allah le dit, mais quand même, là, parce que l'islam, il y a Jésus Bencho, il y a le prophète Bawatouba Bencho. Donc, nous, t'es là, on vous invite à méditer, parce que c'est les frères de Noudine. Nous invitons à prendre conscience, parce qu'on peut perdre le corps, mais si on perd l'âme, on ira en enfer. C'est cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps et ne peuvent rien faire à vos âmes. Jésus dit, craignez Dieu qui peut faire périr votre corps et votre âme dans le feu de l'enfer. Chers parents, sur ce, salam alaikum et que Dieu nous bénisse. Et très bonne position à vous. Nous allons conclure. Tu donnes le mot de conclusion et vous restez en place. On va faire la shahada comme d'habitude. Ok, nous remercions ces quatre légataires de la spiritualité pour nous avoir balancé des sourates, des versets coraniques et des chapitres. Nous les remercions. Donc la vérité est vérité, le mensonge reste le mensonge, Inch'Allah. Donc nous avons été tous servis, ça nous permet de méditer ces paroles, ces versets qui ont été donnés, c'est pour savoir exactement si Jésus-Christ est Dieu ou il n'est pas Dieu. Donc si ceux, malheureusement, sont pris par le temps, nous ne pourrons pas vraiment répondre aux sensations par rapport aux questions, c'est des questions-réponses. Comme ça, on a pris par le temps. Donc, jeudi prochain, pour tous ceux qui ont appris les noms, ils pourront passer. On va répondre à la question, Inch'Allah. Donc, tous ceux, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok, donc tous ceux, de près ou de loin, tu veux avoir la lumière de l'islam dans ton cœur. Il n'y a qu'une seule parole. On n'est pas obligé qu'on te rase. Tu n'es pas obligé de changer ton nom. Tu peux toujours t'appeler Kouadjo, tu peux toujours t'appeler Kouamé. Simplement, il est bon de prendre les noms des prophètes. Parce que dans les noms des prophètes, il y a une bénédiction dedans. C'est pour cela que nous, les musulmans, on aime prendre beaucoup les noms des prophètes. Donc tous, vous levez la main.
on va tester la calimate pour renouveler notre intention, pour purifier notre cœur, afin qu'Allah nous guide tous dans les trois chemins. H, H, Atou, An, La, La, Ilaha, Ilaha, Ilallah, Ilallah, Wa Ashhadu, Wa Ashhadu, An, An, Muhammadan, Muhammadan, Abdu, Abdu, Wa Rasulu, Wa Rasulu, Ash, Ash, Atou, Atou, An, An, La, La, Ilaha, Ilaha, Ilallah, Ilallah, Wa Ashhadu, Wa Ashhadu, Anna, Anna, Isa, Isa, Rasulullah, Rasulullah, Allah vous bénisse, Salam alaikum. Alaykoum salam wa Ça va.